Mesdames et messieurs, la séance du Conseil départemental du 4 avril 2023 est ouverte. Je vous propose de désigner Valérie Garcin-Méhou comme secrétaire de séance et je vais lui demander de faire l'appel des présents. Aïeux Jean-Baptiste. Présent. Béatrice Alosia. Présent. Catherine Assaut. Claire Barnéou est excusée, elle a donné pouvoir à Éric Pétieux. Jean-Marie Bernard. Présent. Joël Bonafou, présent. Marcel Cana, présent. Carole Chauvet, présent. Evelyne Colonna, présent. Daniel Galland, il va arriver, Valérie Garcin et Méhoud, présente, Marie-Vonne Grenier, présent. Christian Hubeau, présent. Marine Michel, Gaël Moreau, présent. Ginette Mostachi, présent. Alexandre Mougin, présent. Arnaud Murgia, présent. Gérard Nicolas, présent. Lionel Parra, Éric Pétieux, présent. Françoise Pinet, présent. Séverine Rambaud, présent. Patrick Ricou, présent. Valérie Rossi est excusée, elle a donné pouvoir à Joël Bonafou, Rémi Roux, oui, Bernadette Saudemont, présent. Gérard Tenou, présent. Anne Truffem, présent. Et Marc Viossa. Présent. Je vous rappelle qu'il faut appuyer sur le, comme pour les votes. Bien, mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil départemental, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le directeur général des services, madame, monsieur les directeurs généraux adjoints, monsieur le secrétaire général, monsieur le payeur départemental, monsieur le directeur du service départemental d'incendie et de secours, mesdames, messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs, bonjour à tous et merci encore de votre mobilisation ce matin pour cette nouvelle réunion du conseil départemental. J'aimerais avant toute chose avoir quelques mots pour la visite du président de la République de la semaine dernière. C'était un moment important. La dernière visite officielle d'un président de la République dans les Hautes-Alpes, en dehors du passage des uns et des autres à l'occasion d'étapes du Tour de France, remontait à 1986, quand François Mitterrand s'était rendu au château de Montmort, qui n'était pas encore du domaine départemental. Avant lui, au cours de l'été 1977, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui était venu à Val-Louise et qui avait marqué les esprits avec son fameux discours sur la montagne. Un moment donc important qui nous conforte, le préfet Dominique Dufour et moi-même, dans notre idée de placer l'année 2023 sous le signe de l'eau. Je n'ai pas à redire ce que le président a pu dire jeudi dernier, simplement rappeler notre engagement dans cette cause plus que jamais, afin de préparer les Hautes-Alpes et les territoires qui dépendent d'elles d'un point de vue hydrique. Et souligner quand même la très belle avancée que nous avons obtenue depuis des années, en l'occurrence depuis la promulgation de la loi NOTRe en août 2015, nous avons de cesse demandé que la compétence de l'eau reste communale. J'ai évoqué ce point encore tout dernièrement à l'occasion du Conseil national de la montagne avec la ministre déléguée aux collectivités territoriales, Dominique Faure. Le message a dû faire son chemin. Il n'aura échappé à aucun d'entre vous, présent jeudi, que le président de la République s'est montré ouvert sur la question de la gestion de l'eau, qu'il souhaite plus de souplesse et invite les maires à décider eux-mêmes des regroupements qui pourraient être nécessaires sur certaines communes. Voilà pour la visite du président de la République. Nous sommes réunis ce matin pour une réunion de printemps qui accompagne la fin d'une saison d'hiver assez exceptionnelle pour les Hautes-Alpes, tant en matière d'enneigement que de fréquentation de nos vallées. Les vacances d'hiver, je vous le rappelle, représentent 40% de la fréquentation touristique et de la consommation sur notre territoire, soit environ 1 million de touristes et 367 millions d'euros de chiffre d'affaires. 1 million par jour de l'année. Cette bonne saison a été couronnée de très beaux événements sportifs. Coupe de France de ski de fond dans Quéra en décembre, Coupe d'Europe à Orcières, Grand Prix de Serre Chevalier le week-end passé et ski d'or à venir le week-end prochain. Non, c'était dimanche dernier. Championnat de France de ski alpin élite aux ors, sans oublier, bien entendu, l'exploit de Simon Milly à 255,5 km à l'heure sur la piste de Chabrière à Vars. Les Hautes-Alpes sont décidément bel et bien une terre de champions
et une terre où l'on sait organiser de très grands événements. Autre raison de se réjouir, la très belle performance des producteurs haut-alpins au concours général agricole, organisé, comme vous le savez, dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Je suis fier que le département des Hautes-Alpes soit celui qui mobilise le plus de monde sur son stand. Aucun autre département ne le fait à ce niveau. La délégation haut-alpine comptait 120 personnes cette année. Nos efforts payent. 26 médailles ont été glanées au cours de cette édition du concours général. C'est un record symbolique du travail fait par nos agriculteurs vers toujours plus de qualité. Leur travail paye, je le répète, toute l'estime que nous avons pour ce qu'ils font au quotidien. Ils peuvent naturellement compter sur le département pour les épauler. Nous avons deux grands rendez-vous au cours de ce printemps. La remise officielle des médailles du concours général au cours du mois de juin et d'ici là, rendez-vous au Salon de l'élevage qui sera organisé ici à Gap du 28 au 30 avril. Je leur tire d'autant plus mon chapeau que les agriculteurs, comme l'ensemble de nos artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises et même les grandes entreprises, travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. J'évoquais à l'instant la très belle fréquentation de cet hiver dans nos stations. Tout ça pourquoi ? Du fait de la renégociation de leurs tarifs d'électricité avec EDF à l'automne dernier, bon nombre de nos stations ont le couteau sous la gorge. Les bons ou très bons résultats de l'hiver n'y changeront rien. Elles ne joignent plus les deux bouts. Ce sera très lourd de conséquences pour leur avenir. Parce qu'un résultat prévisionnel en déficit en 2023, cela signifie une capacité d'investissement réduite à néant et donc perte de compétitivité, perte de parts de marché et à moyen terme, 12 000 emplois directs qui sont menacés. Les premiers contrats de station ont vu le jour en 2015, à la suite d'un hiver peu enneigé et problématique. Nous avions alors pris la décision de redynamiser la montagne et nos stations. Et ça fonctionne. On le voit très bien à la fréquentation qui est repartie à la hausse de façon considérable. On ne peut pas accepter que presque 10 ans d'efforts collectifs soient réduits à néant à cause d'un contrat de fourniture d'électricité. Ce qui vaut pour les stations vaut pour tous les professionnels. Les arboriculteurs sont en grande difficulté également, simplement parce que le coût de l'électricité pour la conservation des pommes a été multiplié par 3. Quant aux ASA, elles doivent faire face, elles aussi, à la hausse des coûts de l'énergie pour faire tourner les pompes. Tout ça me met un peu en colère. Je veux bien que l'époque soit à la vigilance, à plus de sobriété, à plus de responsabilité environnementale. Ce sera d'ailleurs tout l'objet de notre dernière décision de ce matin, adopter un véritable plan de sobriété énergétique pour le département. Je ne suis plus d'accord quand il s'agit de spéculation. Parmi les professionnels que je viens d'évoquer, certains ont essayé de renégocier leur contrat à la baisse au regard de la relative détente du prix de l'énergie sur les marchés. Ils ont reçu une fin de non-recevoir de la part d'EDF et je ne l'accepte pas. C'est pourquoi il vous sera proposé ce matin d'adopter un plan d'action en soutien au monde économique face à cette crise énergétique. Plan dans lequel il est notamment expressément demandé à l'État de jouer son rôle de régulateur, aux fournisseurs d'énergie de se remettre à la table des négociations des contrats. Quant au département, il se réservera la possibilité de faire pression sur les fournisseurs, y compris au travers de nos compétences réglementaires. Toujours en soutien à nos concitoyens, je tiens à attirer votre attention sur le nombre très important d'aides que nous votons ce matin au cours de cette réunion. 1 300 000 euros à destination de l'offre d'insertion pour notamment les allocataires du RSA et plus de 300 000 euros pour les actions collectives en matière de la prévention de la perte d'autonomie. Un tiers de la population haut-alpine est aujourd'hui âgée de plus de 60 ans. Parmi ces personnes, 3 625 sont allocataires de l'allocation personnalisée d'autonomie. 2 424 bénéficient de cette allocation à domicile et sont accompagnés par les 24 services d'aide à domicile ou 10 services de soins à domicile. La demande est déjà très importante aussi pour les allocataires de la prestation de compensation du handicap
ou pour les enfants et jeunes relevant d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Le 17 mars dernier était organisée la première journée nationale de l'aide à domicile, une journée qui a permis de mettre un vrai coup de projecteur sur ces métiers de l'humain. Les années à venir s'annoncent génératrices de besoins croissants, tant en nombre de professionnels que dans leur qualification. Le virage domiciliaire, l'évolution des profils des résidents en établissement, conduisent à s'engager dès à présent dans une démarche active en faveur de ces métiers. C'est tout le travail que fait la commission d'aide au recrutement et la fidélisation des professionnels des établissements de soins et des services d'aide à domicile. Une nouvelle étape sera franchie ce matin avec la signature d'une convention d'objectifs partagés entre les différents acteurs de cette commission, les services de l'État, l'ARS, les partenaires du service public de l'emploi et de la formation et le département. Convention qui acte la volonté de poursuivre la démarche conjointe engagée sur le recrutement et la fidélisation qui permettra un meilleur suivi des actions et de leurs effets. Pour clore ce chapitre sur l'action sociale du département et afin que chacun ait bien conscience et connaissance des politiques mises en œuvre par le département dans ce domaine, j'engagerai dans les prochains jours avec Ginette Moustachy et les conseillères départementales déléguées une série de rencontres de la cohésion sociale sur l'ensemble des Hautes-Alpes. Ces rencontres doivent nous permettre, à terme, de conventionner avec les territoires afin que nous allions tous dans le même sens en soutien à nos concitoyens. J'attire enfin votre attention sur le fait que le 4 avril, donc aujourd'hui, est la journée mondiale du travail invisible. Celui fait dans le cercle familial, par les mères de famille en premier lieu, et par extension par les aidants au sein du cercle familial. Nous leur devons un coup de chapeau. Je terminerai ce propos avec un point d'actualité sur le transfert des routes nationales dans le giron départemental. Le 27 septembre dernier, nous avions adopté une position de principe favorable à ce transfert, moyennant qu'une véritable discussion et négociation ait lieu avec l'État quant à ses modalités techniques et financières. Les premiers mois d'échange avec la DIR et la DREAL n'ont pas été fructueux, comme je vous l'avais annoncé, tant et si bien que vous m'avez autorisé à engager la discussion directement avec le ministre lors de notre réunion de décembre. Je lui ai écrit, je n'ai plus de nouvelles sur ce dossier aujourd'hui, si ce n'est que sur les 10 000 km de route que l'État gérait au moment de la décision du transfert, seuls 1360 ont été délégués à 16 départements, sur les 103 départements français, métropolitains et ultramarins. Et 1600 km délégués aux trois régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie, à titre expérimental. Je n'ai pas plus de nouvelles quant à un éventuel contrat de plan État-région. Je l'ai déjà dit, je veux le répéter, il est nécessaire et je souhaite que le département soit pleinement associé à son élaboration. Voilà pour mes interrogations. Je vous souhaite une bonne matinée et je passe la parole à qui la demandera. Madame Moreau, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs. En préambule, je souhaitais, au nom du groupe Proposition pour les Hautes-Alpes, féliciter l'ensemble des agriculteurs qui a conquis le public parisien lors du Salon de l'agriculture, offrant une belle vitrine de nos savoir-faire aux Alpins. L'agriculture, maillon important de notre territoire, premier territoire bio de France, pourrait se développer encore plus en intégrant l'association Bleu Blanc Cœur, une association qui agit pour construire des démarches de filières vertueuses avec un objectif d'amélioration de la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation par un réseau d'agriculteurs, de scientifiques et de restaurateurs. Une piste peut-être à approfondir. L'agriculture, c'est aussi l'eau, mise à l'honneur lors de la présentation du plan eau par le président de la République à Savines-le-Lac. Nous avons pu comprendre qu'il y aurait une possibilité de mettre en place des syndicats dans nos communes rurales ou de laisser nos communes gérer leur eau, chose à laquelle nous adhérons. Pour aller dans le sens du plan d'eau, le département a son rôle à jouer, notamment dans le soutien de la construction de réservoirs par les agriculteurs.
La saison d'hiver touche à sa fin et malgré une belle fréquentation, nos stations subissent de plein fouet l'augmentation du coût de l'énergie, pouvant mettre en danger les plus petites. Nous nous montrerons solidaires lors de la délibération concernant les contrats stations présentés ce matin. La fin de saison est aussi pour nous l'occasion de féliciter nos sportifs qui se sont illustrés au niveau national ou international en ski, snowboard et même parapente. Je n'en citerai que quelques-uns. Arthur Bauchet, Amélie Richard, Nils Allègre, Simon Billy, Charlotte Banks, Meryl Delferrière. Bravo à eux et place à l'été avec un éclairage tout particulier sur nos sportifs haut alpins en VTT, escalade, canoë et kayak et tous les sites labellisés dans le cadre de Terre de Jeux 2024. Enfin, nous portons une attention particulière à nos collèges qui semblent s'inquiéter de la mise en place de conventions d'objectifs qui ne seraient pas bien comprises par les gestionnaires de certains collèges. Et nous souhaitons donc vous suggérer d'organiser une réunion complémentaire à ce sujet. Au sujet des délibérations du jour, nous sommes très heureux de voir que nous allons voter ce matin celle concernant l'appel à projet opération façade et toiture en faveur des collectivités. Opération que nous vous avions suggérée lors de notre élection, opération en faveur des collectivités qui souhaitent embellir leur village et centre-bourg en contribuant ainsi à la baisse de la facture énergétique. Nous vous en remercions, Président. Merci. Merci, Gaëlle. Madame Grenier, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Oui, je voudrais répondre à ce qui a été dit en ce qui concerne les collèges et la convention d'objectifs qui a été délibérée en conseil, en séance plénière en décembre et qui concerne effectivement l'autorité fonctionnelle que peut exercer le département sur les gestionnaires. Je rappelle que le département est fortement impliqué dans les établissements scolaires puisque il en assure la gestion, tout au moins immobilière, il en donne les subventions, les personnels de service sont aussi fonctionnaires du département, ce qui veut dire que la démarche département auprès des établissements scolaires est très importante. Bon, jusque-là, ça se faisait tout à fait normalement. Et puis, la loi 3DS, qui a été votée l'année dernière ou l'année d'avant, et qui vient en application à partir de juillet, précise bien que le département a une autorité fonctionnelle sur les gestionnaires. Alors, je peux comprendre que ça inquiète, mais je rappelle qu'il reste fonctionnaire de l'éducation nationale et non pas fonctionnaire des départements et que dans ce domaine, s'ils doivent s'inquiéter, ils doivent s'inquiéter également auprès du ministère de l'éducation nationale puisque c'est leur ministère de tutelle. Donc, des réunions ont été faites puisqu'il ne faut pas croire que les choses ont été faites sans qu'on consulte notamment l'inspection académique et le rectorat, et le travail a été fait, et le DGS pourra en parler mieux que moi, en relation directe avec le DGS du rectorat, et on peut vous dire qu'au point et à la virgule près, nous avons repris toutes les mentions que pouvait ajouter l'éducation nationale. Alors, que ça inquiète peut-être, ça ne changera rien au mode de fonctionnement, puisque déjà, les gestionnaires doivent aussi répondre d'un certain nombre d'actions qu'ils font dans les établissements en fonction des compétences qui sont les nôtres. Je compte effectivement réunir les gestionnaires, mais pas seuls. Pas seuls, puisque ce sont d'abord des fonctionnaires d'État et c'est à l'éducation nationale aussi de prendre sa charge. Merci, Madame Grenier, pour ces précisions. Je donne la parole à Arnaud Murgien.
Merci, Monsieur le Président. À l'écoute de vos propos liminaires, je ne résiste pas au plaisir de pousser un tout petit peu long l'historique et de nous souvenir que avant les visites du président Mitterrand et du président Giscard d'Estaing, les Hautes-Alpes avaient eu aussi l'honneur par deux fois d'accueillir le général de Gaulle en 48 et en 60 à Gap et à Briançon. Et j'étais là. Moi non. Ce qui avait d'ailleurs eu l'honneur à la ville de Briançon d'être décorée comme ville résistante. On se souvient de l'histoire de la double libération de la ville. Au-delà de ça, je voudrais juste réagir à deux des points importants que vous avez évoqués. Le premier, naturellement, sur le difficile sujet de l'électricité, où il me semble que ce que nous devons absolument obtenir comme garantie, c'est la capacité de renégocier sans frais. C'est ce qui avait été réalisé, vous vous en souvenez, en début d'année au sujet de la crise des boulangers. Ça avait amené un mécanisme qui s'applique plus précisément aux TPE-PME. Je crois qu'il faut qu'on sache faire reconnaître notamment, je pense inévitablement, à nos petites stations, qui sont des outils industriels qui dégagent parfois des chiffres d'affaires qui sont importants, mais qui restent des petites entreprises avec des marges extrêmement fragiles. Je préside, vous le savez, celle du Chazelet à la Grave, où on trouve l'équilibre qui nous permet de payer les salariés à quelques milliers d'euros près chaque année. On est plusieurs dans ce cas-là. Et je crois là-dessus qu'il faut qu'on soit très solidaires pour intervenir au plus haut niveau et que nous obtenions les mêmes dispositifs permettant la renégociation à tout moment et sans frais. Et je crois que c'est le seul dispositif dont nous avons besoin et que nous devons faire reconnaître. Et le deuxième sujet, bien entendu, c'est celui de l'eau. Je voudrais redire, n'y voyez aucune obsession de ma part, mais à quel point je trouve la loi concernant la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations, assez injuste en termes d'équité territoriale, puisque finalement, ce sont le fait que cette taxe est une assiette intercommunale fait que celles et ceux qui sont le plus en amont, qui sont le plus haut en montagne, je me tourne naturellement vers Valérie Gersin-Emeou, et qui ont le plus de risques naturels sont ceux qui ont le plus de travaux à faire avec les coûts les plus importants. Et on retrouve là des problématiques que nous connaissons tous dans les stations, consistant à dire que nous sommes parfois quasiment 20-30% de la population à payer pour les 70% de plus. Et je trouve que ces sujets-là sont assez injustes et mériteraient vraiment une redéfinition de la loi qui nous amènerait éventuellement à avoir une assise départementale ou régionale de la taxe. Mais ceux qui ont le besoin d'eau, finalement, le plus important aujourd'hui, ne sont pas ceux qui financent, ceux qui ont le plus de risques pour protéger la ressource en eau. Et je crois que c'est peut-être l'un des angles sur les spécificités montagne. Et Dieu sait qu'on apprécie tous ici d'être encadrés par la loi montagne, mais je crois qu'il faut qu'on soit un certain nombre à défendre ces spécificités-là, parce que souvent elle est oubliée, et on voit bien à nouveau que c'était un véhicule législatif qui a été fait principalement en pensant aux plaines et pas forcément aux problématiques de la montagne. Qui plus est, je dois avouer que demander aux exécutifs de collectivités intercommunales de lever cette taxe, en l'occurrence en août 2020, alors que nous sortions du confinement et qu'à l'époque, on avait le choix de voter des aides aux entreprises ou des taxes supplémentaires, c'était assez malvenu. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui reste extrêmement important parce que, au-delà des réseaux urbains et périurbains, on sait très bien qu'on a une ressource qui est menacée par des risques naturels qui sont de plus importants. On le voit dans la Clarée, on le voit malheureusement partout, de plus en plus bas. Et ces sujets-là, qui ne sont pas ceux des réseaux, qui sont celui des risques naturels, coûtent excessivement cher. Et on voit bien là-dessus qu'il y a un désengagement de l'État qui a été réel et sur lequel on ne peut pas laisser tomber les collectivités. En tout état de cause, je voudrais moi aussi me féliciter de la visite du président de la République. Elle a mis à l'honneur, je crois, un élément très symbolique, celui du lac de Serre-Ponçon. Et je voudrais avoir une pensée tout à fait amicale pour Victor Béringuel, qui siégeait pendant longtemps dans cette assemblée, parce que je crois que le symbole mérite tout de même d'être remarqué au moment où notre pays vient de vivre ce qui a choqué tout le monde à Sainte-Soline. Et qu'au moment où on parle de faire des retenues d'eau pour nos agriculteurs, qu'aurait-on dit en 1962 dès lors qu'on a rasé un village, mais qui a permis aujourd'hui un lac artificiel qui irrigue toute la Provence, qui irrigue toute la Provence, qui devrait en théorie être probablement la région de France la plus touchée, la plus menacée, et qui ne l'est pas, grâce à Serre-Ponçon. Et je crois qu'il faut savoir, dans nos responsabilités d'élus, être capable à un moment de prendre un certain nombre de décisions. Et le simple fait que, par idéologie, un certain nombre aujourd'hui de mouvements écologistes, et c'est pas un gros mot, soit opposé au simple fait qu'on gère l'eau, qu'on stocke l'eau,
me semble fort dommageable. Déjà parce qu'on stocke l'eau naturellement en montagne. Faut-il le rappeler à tous nos collègues qui nous écoutent depuis un peu plus loin, mais si, voilà, je sais qu'ils ne viennent parfois qu'en février ou en décembre, mais en l'occurrence, la neige ne sert pas qu'aux pistes de ski, elle sert aussi à stocker l'eau. Mais accessoirement aussi, quand on parle des pistes de ski, on fait des retenues collinaires et on serait bien à mal si demain elles étaient toutes contestées. Et cette question de la contestation, je voulais l'aborder parce que je voulais vous raconter, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et chers collègues, une anecdote très marquante sur un autre projet environnemental qui ne concerne pas l'Aube, mais qui concerne, vous le savez, le téléphérique de la Meije, qui est un projet que vous connaissez bien. Vous savez que l'enquête publique a fini par amener un avis favorable. Le maire de la Grave va redéposer un permis et c'est une bonne nouvelle. C'est très intéressant puisque quand on a observé et analysé l'enquête publique, on s'est aperçu que parmi les réponses favorables, il y avait 80% qui provenaient des habitants du canton, de l'ex-canton de la Grave et de Villard-d'Arène. Et parmi les réponses défavorables, il y en avait 80% qui provenaient de absolument partout ailleurs en France. Et je crois que ces sujets-là doivent nous interpeller parce que finalement, le sujet de l'eau et tous ces sujets environnementaux nous rappellent que c'est peut-être aux montagnards de décider de l'avenir de la montagne. Et je crois que c'est ce que nous avons tous porté auprès du président de la République et du ministre de la Transition écologique. Et ces sujets-là ne sont pas anodins parce que la question de la dépossession de nos propres sujets d'aménagement du territoire, finalement, est beaucoup plus d'actualité qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que je me félicite des propos tenus par Gaël Moreau. Nous avons plus que jamais besoin d'unité ici au sein de l'Assemblée départementale, mais pour soutenir l'ensemble des acteurs locaux qui sont confrontés à des sujets souvent excessivement difficiles. Je vous remercie. Merci Arnaud. La parole est à Marc Viosa. Merci Président. Président, chers collègues, sans vouloir faire de parallèle avec l'avenue du Président de la République et l'annonce du plan eau avec ses 50 mesures, c'est un parallèle que je veux faire, mais quand même. Nous, aujourd'hui, le département a décidé de mettre en place un plan d'action sobriété énergétique avec 50 mesures dans ce plan d'action. Et donc, je pense que ce parallèle vaut le coup parce que nous également, notamment par rapport aux enjeux de transition énergétique et le fait de baisser durablement nos consommations énergétiques de la collectivité, on agit également. Merci. Allez, Monsieur Hubot. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous remercier des propos que vous avez tenus, ainsi que Mme Moreau, en ce qui concerne l'agriculture. Et je n'ai pas besoin de faire l'éloge de nos agriculteurs, puisque vous l'avez fait, mais je m'associe à vos propos en ce qui concerne le salon d'agriculture, qui a été une réussite. Je voudrais dire que je suis en plein accord avec ce qu'a dit Arnaud Murgia, sur le fait que c'est à nous à décider de ce qui se passe chez nous. Et quand on voit les réponses, comme tu l'as évoqué, laisse quand même un peu de doute et de scepticisme sur le fait que certains veulent nous imposer leur vue de Paris. L'augmentation du prix de l'énergie et le problème de vente et la concurrence déloyale interne à l'Europe, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, met en difficulté nos arboriculteurs. Et malgré le soutien que nous leur apportons depuis de nombreuses années, ils traversent une situation difficile. Donc il faut les soutenir, continuer à les soutenir, ainsi que toute la filière agricole, bien évidemment. Pour ce qui concerne les annonces du président de la République l'autre jour, pour l'eau, que ce soit sur la compétence ou sur les retenues qu'a évoquées le président de la Chambre d'agriculture, je pense que les annonces qui ont été faites vont dans le bon sens, il faut le reconnaître. Maintenant, il faudra que son administration et celle locale se mettent au diapason et aux ordres des propos du président de la République. Merci. Très bien, merci de ce rappel. Monsieur Roux, vous avez demandé la parole. Donc on connaît la dernière visite du chef de l'État de la France. De mémoire d'homme, la première visite qui a duré beaucoup plus qu'une après-midi, c'est celle du roi Louis XI, qui était dauphin en probation au XVe siècle. Et elle a duré plus qu'une après-midi, elle a même duré plusieurs mois et plusieurs années. Pardon ? Il n'y avait pas la question du train de nuit, Arnaud, tu as raison. Ceci dit, je ne prends pas cette image au hasard, puisqu'effectivement, Louis XI était prieur à la cathédrale d'Embrun, et il venait à la Valouise. Il avait l'habitude de venir à la Valouise, c'est d'ailleurs de là où on tire le nom, du long d'une vallée malfamée, puis les gens ont décidé de l'appeler
en l'honneur du dauphin. Et pourquoi je parle de ça? C'est qu'entre Largentière et Embrun, effectivement, c'est de l'actualité de la séance d'aujourd'hui. C'est que nous votons une convention, Monsieur le Président, qui est proposée au vote sur la Haute École du Bois et de la Forêt. Projet dont on a eu une réunion, c'était la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière. Et effectivement, ce projet est d'une importance particulière à la fois pour l'Argentierois et l'Embrunais. Pourquoi? Pour à la fois non seulement former la main-d'œuvre, vous n'êtes pas sans savoir qu'on manque de main-d'œuvre, bon, dans tous les secteurs, vous me direz maintenant, mais notamment sur la question du bois, mais aussi le pari peut-être aussi de faire notre territoire, qui a des atouts naturels extraordinaires et touristiques, mais aussi de faire un territoire où il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut s'industrialiser. S'industrialiser, pourquoi? Ce n'est pas un gros mot, hein. C'est produire, transformer la matière, et quand on donne à chaque fois. Ce fameux débat, mais comment faire pour que nos jeunes restent vivre, reviennent après leurs études? Il n'y a pas 36 000 solutions. Ce n'est pas seulement le cadre de vie, c'est l'emploi. Et pour que les jeunes reviennent et qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des emplois productrices de haute valeur ajoutée et avec des salaires qui vont avec. Donc on va attirer nos jeunes, faire que nos jeunes restent vivre ici. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, un tiers de la population a plus de 60 ans. Ce n'est pas un mal. C'est pas la mal, mais ceci dit, il faut faire en sorte que les jeunes ne soient pas amenés à partir forcément dans l'Isère, les Bouches-du-Rhône, ou dans les territoires du Sud. Donc effectivement, ce pari de l'industrialisation et de l'industrie verte avec un matériau comme le bois, effectivement, je pense que c'est réellement un axe de développement sur lequel il faut axer en parallèle du tourisme. Le but, c'est pas de laisser une activité pour en faire une autre, c'est la multi-activité qu'il faut développer. Donc effectivement, ce projet, il a à la fois le mérite de lancer une diversification économique, mais aussi de développement local. Je pense à Embrun sur la réhabilitation du site Embrunet, mais sur l'Argentière, qui est l'ancienne friche des FAP, là où il y avait Péchiné et les aciéries d'aluminium. Donc effectivement, c'est refaire vivre nos communes, et je pense qu'il n'y a pas que l'Argentière et Embrun qui en profiteront. Il y a tout un secteur d'économie et ça va, par capillarité, alimenter l'emploi et la création de richesses. C'est pour ça qu'effectivement, je me réjouis que le département soit partie prenante, à la fois sur l'ingénierie, sur le financement et pourquoi pas plus si affinité. Merci, monsieur. Bien entendu, le département suit ce projet de la mise en place de la Haute École du Bois dans le département à l'Argentière et à Embrun. Nous accompagnons l'association qui va faire émerger ce projet, et puis nous irons au bout de nos intentions, c'est-à-dire qu'on sera partie prenante, bien entendu, sur la mise en place de cette Haute École du Bois qui a l'ambition, d'ici la fin de notre mandat, quand même, de former, enfin, d'attirer 400 étudiants, des ingénieurs, dans des métiers pas nouveaux, mais dont le renouveau est attendu depuis longtemps. Et tout ça s'inscrit dans notre volonté de porter... L'État et le département, comme la région, la filière bois dans les Hautes-Alpes. Donc voilà, on est en plénitude dans ce projet-là. Bien, Séverine Rambaud, demandez la parole. Merci, Président. Monsieur le Président, chers collègues, dans la matinée, il sera voté la mise en place d'une nouvelle thématique Petit Patrimoine. Avec Jean-Baptiste, nous tenions à vous remercier, ainsi que Monsieur le Vice-Président en charge des finances Patrick Ricou et Madame la Vice-Présidente en charge de la culture Bernadette Saudemont, d'avoir intégré à l'enveloppe thématique Attractivité du territoire un budget de 300 000 euros qui va permettre aux collectivités de financer des projets de préservation de leur petit patrimoine non classé et non inscrit. Si ce patrimoine est qualifié de petit, ce n'est pas forcément par sa taille ni par sa valeur, mais plutôt par sa discrétion. Et c'est à ce titre-là qu'il est fragile, parce que parfois non reconnu par le grand public comme ayant une valeur patrimoniale. On le considère comme trop fréquent, trop banal, pour avoir envie de le protéger. Mais le petit patrimoine parle ainsi de la vie de nos ancêtres, avant les automobiles, l'électricité et l'eau courante. C'est un ensemble de modestes témoignages retraçant les activités économiques, sociales, culturelles et cultuelles du quotidien qui rythment nos paysages et mettent en évidence certaines particularités locales. Un certain nombre d'éléments ont déjà malheureusement disparu.
Et il faut donc prendre conscience qu'il constitue un outil de valorisation et une richesse pour les générations futures. Aujourd'hui, avec près de 79 000 euros pris sur cette enveloppe, nous allons commencer à accompagner les collectivités. En effet, 5 communes vont ainsi pouvoir entreprendre des travaux de rénovation et de restauration de ce petit patrimoine. Nous attendions avec impatience le vote de cette enveloppe afin de pouvoir répondre à la demande de la commune de Valserre, entre autres, qui souhaite depuis plusieurs mois engager une programmation de rénovation de deux chapelles qui appartiennent au patrimoine culturel et touristique de la collectivité. Elles pourront sans doute, à terme, intégrer un circuit de randonnée pédestre intitulé « Tour des chapelles », puisqu'à proximité du sanctuaire Notre-Dame du Lot. Cette démarche est une excellente initiative qui démontre la proximité extrême entre le conseil départemental et les communes. Merci. Merci Séverine. Madame Zodemont a l'ambition de rebondir sur cette affaire-là. Oui, ben, à mon tour, merci Président et bonjour à tous d'ailleurs. Donc à mon tour, moi je veux remercier aussi parce que c'est grâce aux discussions que j'ai avec vous, c'est grâce au travail conjoint que la prise de conscience de ce manque s'est révélée et que nous avons essayé d'agir dans ce sens, puisque notre mission, c'est de transmettre ce petit patrimoine. Il raconte notre histoire. Il est fragile, comme tu l'as dit, Séverine. Et je pense que notre mission, c'est de ce que nous avons reçu de nos anciens. Eh bien, il faut le pérenniser et il faut le transmettre, puisqu'il fait partie de notre histoire. Et le budget relatif est de 300 000 euros, effectivement. Donc, on aura la première programmation cette fois-ci, comme tu l'as dit. Et du coup, je veux remercier quand même vous, Président, et Patrick Ricou, pour votre écoute bienveillante à cet égard et à mon égard, d'ailleurs, parce que je crois qu'on a tous avancé ensemble. Et je pense qu'on peut être fiers de ce pas en avant que nous faisons tous. Merci, Bernadette. En fait, c'est une décision collective, hein. Bien, il n'y a plus de demande de prise de parole. Je vous propose qu'on rentre dans l'ordre du jour. D'abord, je voudrais que vous proposiez d'adopter le procès-verbal du dernier conseil du 7 février. Donc, je vous demande de vous exprimer par le bouton traditionnel. Bien, le compte-rendu est adopté. Je vous en remercie. Et je vais passer la parole à Madame Mostachy. Schéma départemental unique. Oui. Merci, Président. Avant de présenter le rapport, je tenais à faire un petit propos introductif. Donc, Monsieur le Président, mesdames, mes chers collègues, mesdames, messieurs, avant de dérouler avec vous les 6 premières délibérations de notre ordre du jour qui concernent toutes les 6 nos politiques de solidarité, j'aimerais avoir quelques mots introductifs pour souligner l'engagement du département qui se montre toujours solidaire de l'ensemble des Hauts-Alpins. C'est important dans le contexte de tensions sociales et d'inflation que nous connaissons. Le département poursuit sa mission de chef de file et agit à tous les stades de la prise en charge, de la prévention, de la vulnérabilité à la protection des personnes. Les dossiers qui seront votés ce matin en conseil départemental, mais aussi en commission permanente, traduisent cet engagement. Nous évoquerons ainsi en conseil départemental des aides diverses permettant à chacun de pouvoir trouver une réponse. Des aides sur des domaines divers tels que le logement, avec des dispositifs de logement partagés au bénéfice de ceux qui, pour vivre seuls, est impossible. Le transport pour les personnes en situation de handicap. Et 2 conventions qui traduisent l'engagement du département en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et le soutien aux professionnels de soins et de l'accompagnement en première ligne pour accompagner les plus fragiles et soulager les aidants. Mais au-delà de ces votes, je tiens à saluer l'investissement social du département à travers du soutien à la prévention auprès des plus jeunes et de nos aînés, du soutien à l'insertion socio-professionnelle des personnes et de l'aide au logement. Ainsi, la commission permanente devrait voter ce matin des subventions pour soutenir des actions auprès des plus jeunes dans le cadre du contrat d'enfance,
Pour rappel, 1 600 000 euros global, l'État et département, part du département 800 000 euros. Favoriser le repérage des problématiques en orthophonie pour repérer dès le plus jeune âge des troubles de langage, un pari sur l'avenir, bien entendu. Mettre à disposition des jeunes des actions d'information autour de la santé sexuelle et de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Faire connaître et rendre accessible l'école de la deuxième chance portée par l'AFPA pour faire en sorte qu'aucun jeune ne soit privé d'une chance de se construire un avenir digne. Aider les jeunes, c'est aussi les soutenir dans leur accès à l'autonomie, les aider pour la mobilité, l'accès à la formation. 80 000 euros alimenteront ainsi le fonds d'aide aux jeunes pour l'année 2023, soit 20 000 euros de plus qu'en 2022, pour garantir à chaque jeune éligible une réponse favorable. La prévention, c'est aussi le bel âge. La commission permanente devrait voter plus de 300 000 euros dans le cadre de la conférence des financeurs pour permettre la mise en place des actions de prévention à l'attention des personnes de plus de 60 ans. De la création artistique, du sport, des conseils de nutrition, des sensibilisations numériques, des ateliers mémoire, d'équilibre, 47 actions sur tout le territoire haut-alpin seront menées sur l'année 2023, de quoi rompre l'isolement et apporter écoute et conseils. Être attentif aux plus âgés, c'est aussi leur simplifier l'accès aux droits. C'est dans cet esprit que le département et la CARSAT ont signé une convention de reconnaissance réciproque de leur évaluation. Derrière ces termes techniques, un enjeu simple, faire que la personne évaluée chez elle par le département ou la CARSAT ne soit pas obligée de refaire le processus d'évaluation si le résultat l'oriente vers l'acteur qui n'a pas réalisé l'entretien. L'investissement social, c'est aussi permettre à chacun de trouver et de se maintenir dans un emploi, c'est accompagner les plus éloignés de l'emploi dans leur parcours. Ainsi, plus de 820 000 euros seront alloués à la politique volontariste menée en faveur de l'insertion socio-professionnelle. Parmi ces actions, des subventions à des opérateurs du territoire en charge de l'accompagnement direct des publics, des aides financières individuelles favorisant l'accès à la mobilité ou à la formation, des outils d'insertion professionnelle tels que les chantiers d'insertion, les actions collectives d'insertion. J'aurai un mot également sur l'aide à l'accès et au maintien dans le logement, compétence sur laquelle le département est en première ligne. Au travers du Fonds de solidarité logement, FSL, dont il assure la gestion, le département facilite l'accès au logement, mais permet également de s'y maintenir. Les aides individuelles allouées tout autant que les accompagnements réalisés par les associations sont autant d'outils d'insertion sociale des personnes et de prévention. 300 000 euros seront proposés au vote pour abonder ce fonds ce matin. Je tenais à faire un bref panorama de la diversité des interventions du département pour favoriser la cohésion sociale du territoire et souligner, s'il en est encore besoin, le fort engagement de la collectivité pour les habitants du territoire. Enfin, avant de présenter les rapports de cette session, je tenais également à rappeler que le département, après avoir voté en décembre son schéma unique des solidarités, lancera sa déclinaison opérationnelle sur les territoires dès le 13 avril, date de notre premier rendez-vous de l'action sociale en territoire, comme vous l'avez indiqué, Président. Convaincue que la meilleure réponse apportée aux personnes doit être au plus près de leur lieu de vie et construite avec l'ensemble des ressources du territoire, le département souhaite s'engager dans une démarche de contractualisation avec les acteurs locaux, au premier rang desquels les intercommunalités. Si le département est chef de file du médico-social par la loi, il entend surtout être le chef d'orchestre avec les partenaires et les habitants, gage d'une politique sociale adaptée et accessible pour tous. Voilà, merci Madame Mostaghi pour ce panorama complet. Et c'est un peu long. Je vous en prie. Mais ça en vaut la peine. Voilà. Donc maintenant, on va passer au rapport. Allez, convention d'objectifs partagés. Alors, pour le premier rapport, il s'agit de la commission d'aide au recrutement et à la fidélisation des personnels, des professionnels des établissements médicaux, sociaux et des SAD. En premier lieu, on va faire dérouler un diaporama qui sera présenté par Marie Loz. Je vous donne la parole, Marie. Madame Loz. Oui, merci, Président. Merci, Madame Mostaghi. Quelques éléments de contexte et de présentation de cette convention d'objectifs partagés, qui est le fruit d'une dynamique partenariale forte portée par le département
et surtout le fruit de la fédération des ressources de chacun des acteurs au bénéfice des personnes accompagnées. Ça a été évoqué, le département est chef de file du médico-social et forcément la question de l'accompagnement, du soin et de l'accompagnement est au cœur du parcours des personnes. Voilà, un petit bug. Comme ça a pu être évoqué par Monsieur le Président et par Madame Mostachy, un tiers de la population a plus de 60 ans dans le département. Nous aurons 50% de la population âgée de plus de 65 ans en 2050, avec un fort souhait pour les publics de demeurer au domicile et de le plus longtemps possible. En parallèle de quoi, les personnes en situation de handicap revendiquent, et c'est naturel, pouvoir rester également et dans les meilleures conditions possibles au domicile. Pour information, on a à peu près 760 bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap. C'est 25% de plus entre 2015 et 2021. L'ouverture des dispositifs, la communication qui en est faite, permet au plus grand nombre de pouvoir bénéficier d'aide au domicile. Donc un enjeu majeur pour les années à venir, de pouvoir disposer à la fois de personnel qui peuvent intervenir au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, en soutien également des aidants. Donc un enjeu à pouvoir avoir à la fois un nombre de professionnels, en nombre suffisant, mais en qualification, puisqu'on ne va peut-être pas prendre de la même manière les personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. En complément, on a aussi à faire face à une prise en charge qui va changer dans les établissements, puisque l'âge d'entrée en établissement va être repoussé, ou en tout cas la dépendance sera peut-être plus accrue dans les établissements d'accueil, ce qui va nécessiter là aussi d'avoir une attention particulière sur la qualification et le nombre des personnes au sein des établissements d'accueil. Quelques éléments par rapport à ce bilan. Il faut que nous puissions anticiper sur le dynamisme dans ces structures de professionnels, mais un constat national sur lequel on a un accord, en tout cas des éléments de contexte qui se sont renforcés depuis la crise du Covid. On a un déficit et des difficultés de recrutement dans le domicile et dans les établissements. Alors, les raisons sont diverses. La première qui est souvent évoquée, c'est la question de la rémunération. Mais on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le seul élément qui pêche sur l'attractivité de ces métiers-là. Ce sont aussi des questions organisationnelles. Sur les services à domicile, on peut avoir des horaires coupés, on peut avoir des déplacements. Sur les établissements, on peut avoir des horaires de week-end, on peut avoir des horaires un peu décalés. Donc, c'est vrai que ce sont des éléments qui ne plaident pas en faveur de ces métiers-là. On a une image du métier qui a pu être aussi impacté par des révélations ou par des scandales. Je fais référence, bien entendu, à l'affaire Orpea, qui est venue aussi peut-être jeter le discrédit, alors qu'on a une majorité, et heureusement, de professionnels qui font une prise en charge de qualité dans les établissements. Et puis, plutôt globalement, on a aussi une recherche de sens ou de vraies interrogations des professionnels dans les différents secteurs, et le secteur du soin et de l'accompagnement est en première ligne également. Pour autant, un certain nombre d'actions qui ont été engagées, autant au niveau national qu'au niveau local, avec des revalorisations salariales, des reconnaissances de parcours et de droits à la formation, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, beaucoup d'actions engagées sur la qualité de vie au travail, et puis des actions pour soutenir le recrutement engagées par Pôle emploi, par les agences régionales de santé ou par le récent plan de lutte contre les difficultés de recrutement engagé par l'État. Et au niveau local, de nombreuses actions qui ont été menées pour essayer de contribuer à l'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement. Le département a été un des premiers à s'engager avec la Caisse nationale de solidarité et autonomie dans un grand plan de formation et d'accompagnement des services d'aide à domicile dès 2019. En complément de quoi, sur la question de la démographie médicale, le département également a été un des premiers à mettre en place des bourses pour soutenir l'investissement des médecins et désormais des dentistes également. Donc une vraie volonté de travailler sur le soin et sur le médico-social pour essayer d'apporter une réponse de qualité. Pour autant, les problématiques perdurent avec des effets sur la prise en charge des personnes, puisqu'on a des difficultés à conserver les personnels, donc on peut avoir des modifications d'intervenants auprès des publics à domicile, des fermetures de lits dans les établissements par défaut de personnel, une usure et un surinvestissement des personnes qui sont dans les établissements ou dans les services d'aide à domicile et qui assurent des intérims ou des remplacements assez longs. Et puis, ce qui est peut-être le plus dramatique, c'est qu'on peut être amené à ne
pas être en capacité d'apporter une réponse à quelqu'un qui est au domicile et qui a besoin de la mise en œuvre d'un plan d'aide. C'est fort de tous ces constats que le département a initié au mois de mai 2022 une démarche avec les acteurs, au premier rang desquels les services de l'État et les services de l'Agence régionale de santé, qui sont compétents sur la partie sanitaire des établissements sociaux et médico-sociaux, avec une volonté d'unir l'ensemble des compétences de tous les acteurs du territoire, de la formation jusqu'au recrutement et jusqu'à la prise en charge des personnes. Donc vous voyez à l'écran une démarche très largement partagée entre des acteurs institutionnels, associatifs, de la formation, de l'emploi, de la prise en charge des services d'aide à domicile et des établissements. Trois rencontres ont été mises en œuvre avec les acteurs au mois de juin, novembre et janvier, pour bâtir un plan d'action qui permettrait à chacun, dans ses compétences, de venir construire un plan coordonné qui permette d'apporter les réponses dans les délais les plus rapides. Ce plan d'action, il se structure en 4 axes de travail, 6 orientations et 15 actions. On a souhaité pouvoir agir le plus rapidement possible et ne retenir que quelques actions sur l'année 2023. Les 4 axes sont l'attractivité des métiers, promouvoir et faire connaître les métiers du soin et de l'accompagnement. Alors, il s'agit là de développer des outils pour répondre aux besoins des professionnels, mais aussi de retravailler la communication. C'est la raison pour laquelle des vidéos ont été tournées avec des professionnels qui expliquent tout l'intérêt de leur métier, tout ce que ça leur apporte, et puis des personnes accompagnées qui peuvent venir témoigner aussi de l'intérêt de disposer de ces professionnels formés et engagés. Le deuxième axe, renforcer la formation et accompagner les parcours, aller repérer et aller faciliter l'intégration et offrir des perspectives d'emploi, mais aussi de parcours professionnels à chacun au sein des structures. Encore une fois, je parle toujours établissement et services. Accompagner le recrutement dans les établissements et services, aider à la fidélisation. On a à travailler aussi l'attractivité du territoire pour permettre à d'autres de venir s'installer sur le territoire et venir répondre aux besoins locaux. Il faut pour cela qu'on puisse assurer et accompagner l'ensemble des acteurs. Enfin, travailler sur l'attractivité du territoire pour faciliter l'implantation des professionnels, mais aussi de leurs familles. Il s'agit là de travailler sur également la partie des sanitaires sur le territoire, je pense aux médecins libéraux. Enfin, concrètement, les actions phares qui démarreront sur 2023, c'est la création d'un groupement d'employeurs, d'insertion d'employeurs sur les métiers des services d'aide à domicile. C'est la résultante d'une étude qui a été lancée et cofinancée entre le département et les services de l'État en 2022 et qui doit permettre de faciliter le recrutement dans les services d'aide à domicile du département. Le deuxième axe, c'est l'observatoire des métiers. On ne peut répondre aux besoins que dès lors qu'on en a une parfaite connaissance. Donc on va s'associer aux services de la région pour pouvoir mesurer quels sont les besoins en emploi dans tous les services du département à 6 mois, 1 an, pour voir dans quelle mesure on peut mettre en face des plans de formation pour y répondre. Une action phare du 24 au 28 avril sur le département des Hautes-Alpes, qui a été très largement construite avec l'ensemble des acteurs et qui doit permettre, sur ces délais-là, de pouvoir avoir des actions sur tout le département pour connaître l'ensemble des actions. Vous le voyez, ce sont les partenaires qui se sont emparés de la démarche. Avec le 24 avril, une action au centre hospitalier d'Embrun. Le 25 avril, une action à Saint-Bonnet. Le 26 avril, Briançon, Le Dévoluy et Serres. Le 27 avril, des ateliers d'échange avec les professionnels du handicap à Briançon. Et enfin, 3 tables rondes le 28 avril qui se clôtureront par la signature du contrat de la CARF, donc Commission d'aide au recrutement et la fidélisation. Et enfin, on l'a évoqué, de retravailler la communication et sur les différents métiers. Merci, Madame Loz. La parole est à Ginette Mostachi. Françoise, vous voulez parler ? Alors, Françoise Pinet, d'abord. Je voudrais juste dire à mes collègues conseillers départementaux et à Monsieur le Président que vraiment, moi, je suis très satisfaite de la démarche qui a été menée. Je remercie donc les services qui ont travaillé donc sur ce dossier qui est essentiel pour nos territoires. Parce que le maintien à domicile, si on veut qu'il existe et qu'il continue d'exister, il faut à tout prix faciliter le recrutement donc des personnels. Je crois que c'est une démarche qui est vraiment importante au plus haut point, parce qu'on est dans une situation qui est quand même difficile. Et c'est vrai que moi, je remercie tous les acteurs donc, qui ont travaillé sur ce dossier. Ça a été très enrichissant. Ginette, tu vas dire peut-être la même chose que moi.
et on ne peut être que satisfait vraiment de ce qu'on a fait. Voilà, parce que ça a été quand même des réunions importantes, hein, qui duraient des fois tout l'après-midi, mais on est arrivé quand même à prendre le problème vraiment à sa racine, quoi. Et je crois que on peut être fier de ce qu'on a fait, et j'espère qu'il y aura des résultats attendus. Voilà. Merci, Madame Pinet. Ah ben alors, je reprends pour mon rapport. Madame Ostagie, vous pouvez y aller. J'y vais. Oui, ben écoutez, moi, je me joins donc à Françoise qui a dit les propos que je voulais évoquer envers les services du département aussi, parce que on a beaucoup beaucoup travaillé effectivement. Un grand merci aussi à tous les acteurs du territoire aussi qui étaient là dans les ateliers. Un énorme travail a été fait. Hein, ça fait combien un an qu'on y travaille dessus maintenant. Donc voilà, on arrive à la finalisation et au travail effectif et aux actions effectives en 2023. Donc maintenant, je vais proposer le rapport, si vous voulez bien, Président. Je vous en prie. Voilà. Donc devant le constat de l'accroissement des tensions en recrutement et le manque d'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement, au niveau national comme départemental, le Conseil départemental, ses partenaires des services de l'État, de l'Agence régionale de santé, ainsi que les principaux acteurs de l'emploi et de la formation, se sont fédérés autour du plan d'action global. Articulé avec les autres démarches départementales en faveur de la démographie médicale, ce plan d'action global définit les priorités et les objectifs opérationnels dès 2023 et propose des réponses concertées et coordonnées aux problématiques rencontrées dans le recrutement et la fidélisation des professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux et les SAD sur les Hautes-Alpes, cœur cible de cette démarche. Inscrite dans le schéma départemental unique des solidarités, le SDUS, cette démarche incarnée par la Commission d'aide au recrutement et à la fidélisation des professionnels, la CARF, se concrétise aujourd'hui par la signature d'une convention d'objectifs partagés pour 2023-2026 entre le Conseil départemental, pilote du plan d'action, et l'ensemble des partenaires et des acteurs cités, dans laquelle chacun s'engage pour contribuer à l'amélioration du parcours de santé des citoyens du territoire haut-alpin. Voilà. Merci, Madame Ostagi. Donc, je mets ce rapport au vote. Y a-t-il des observations ou des commentaires sur ce rapport ? Il n'y en a pas, je le mets au voix. Votre rapport, Madame Ostagi, est enfin voté à l'unanimité. Ben, je l'espère, avec tout le travail qui a été fourni. C'est une reconnaissance bien méritée. Très bien, je vais passer la parole à Madame Colonna. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit du rapport relatif à la signature du contrat local contre les violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles. La gravité et la multiplicité des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes sont les principales victimes, constituent un phénomène d'ampleur, que cela soit dans la sphère privée ou publique. Les répercussions sur les victimes et leurs enfants sont dramatiques et impactent durablement les conditions de vie et d'épanouissement immédiat et pour l'avenir. Renforcer la prévention par un repérage précoce et faciliter l'orientation et la prise en charge par un maillage territorial des acteurs locaux est l'enjeu du contrat local contre les violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles. Le département, chef de file de l'action médico-sociale en territoire, pilote de la protection de l'enfance et engagé dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'associe à ce contrat, déclinant le plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales et les violences conjugales dans les Hautes-Alpes. Par ce contrat, le département s'engage à prendre part de manière locale sur le territoire de la communauté de communes du Buëch d'Évoluy et au travers des professionnels des maisons départementales des solidarités et des instances décisionnelles à ce partenariat. Vous avez un exemplaire du contrat local et ses annexes, joint ce rapport. Je vous remercie. Merci, Evelyne. Des commentaires sur ce rapport ? Il n'y en a pas, je le mets aux voix.
Le rapport est adopté. Je vais passer la parole à Mme Mostachi. Allô ? Non, mais allô, quoi. Allô ? Oui. Allez, je présente le rapport. Bien, alors, il s'agit de la modification des règlements intérieurs sur de la conférence des financeurs. Les équipements et aides techniques sont définis par la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 et du Code de l'action sociale et des familles. Ils sont spécialement conçus pour encourager l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans et vivant à leur domicile. L'aide technique individuelle vient en complément des aides légales existantes pour diminuer le reste à charge du bénéficiaire. Son montant varie de 50 à 1 000 euros par an et par personne, en fonction des revenus et du type de matériel. Cette aide est financée entièrement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie via un fonds de concours versé au département. Le suivi des aides techniques individuelles est confié aux membres du bureau de la conférence des financeurs dans le respect du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention 2022-2026. L'attribution des aides est encadrée par le règlement d'attribution des aides techniques individuelles et le règlement intérieur de la conférence des financeurs. Afin de réduire le délai d'attribution des demandes d'aide au profit des bénéficiaires, la conférence des financeurs demande une simplification des processus réglementaires. En effet, il est proposé que les demandes soient instruites au fil de l'eau par les services du département lors de la commission technique avec la validation hiérarchique et non plus en bureau de la conférence des financeurs, qui se réunit une fois tous les mois. Voilà. La décision d'attribution de l'aide technique continuera d'être approuvée par le président du département et son délégué. Donc, traiter les dossiers au fil de l'eau permettra effectivement aux bénéficiaires d'avoir leur aide technique le plus rapidement possible. Voilà, donc c'est pourquoi le présent rapport vous propose de modifier le règlement d'attribution des aides techniques individuelles et de mettre à jour le règlement intérieur de la conférence des financeurs. Voilà, Président. Très bien, merci. Y a-t-il des observations sur ce rapport ? Pardon ? Ah oui, c'est pas le bon rapport, là, à l'écran. On est en avance d'un rapport. Ah, si, c'est bon. La conférence des financeurs, c'est bon ? Ah oui, on a changé, pourquoi ? Bah, voilà, d'accord. Allez, voilà. D'accord. Très bien. Sur le rapport présenté par Mme Mostachi, il n'y a pas d'observation, je le mets aux voix. Très bien, le rapport est adopté. Le rapport suivant, c'est bien le 1878, et je donne toujours la parole à Madame Mostachi. Merci. Donc, règlement départemental des transports scolaires des élèves porteurs de handicap. Le transport des élèves porteurs de handicap est resté la compétence du département. Pour l'année 2022-2023, il concerne environ 120 élèves et nécessite l'organisation de nombreux circuits sur l'ensemble du territoire. Ces transports sont pris en charge par des compagnies de taxi pour acheminer les élèves de leur lieu de domicile vers l'établissement scolaire où ils sont scolarisés, mais peuvent aussi être pris en charge par les détenteurs de l'autorité parentale qui assurent le transport de leur enfant dans leur propre véhicule. Le coût pour le département est de 800 000 euros pour le paiement des taxis, et d'environ 25 000 euros d'aide directe aux familles assurant le transport de leurs enfants. Le règlement départemental des transports d'élèves handicapés en vigueur a été rédigé en référence au règlement départemental des transports scolaires. Il a été modifié lors du transfert de compétences à la région au département le 1er septembre 2017, puis le 12 juillet 2019. À la suite de ces modifications internes au département, il convient d'apporter des modifications à ce règlement concernant notamment le nom du service en charge de la gestion du transport des élèves porteurs de handicap, qui se nomme aujourd'hui Service Autonomie. Voilà, c'est juste le changement du nom du service qu'il faut approuver. Très bien. Y a-t-il des observations sur ce rapport ? Je le mets aux voix. Je vous remercie et je vais passer la parole à Carole Chauvet pour nous présenter deux rapports dans le domaine de l'insertion. Merci, Président. Donc, il s'agit le premier rapport de la convention dispositif 10 000 logements accompagnés avec la fondation Edith Zelzer-Beauglissant et avec l'UDAF, famille gouvernante. Donc, le 23 juin 2020,
Une convention multipartenariale 10 000 logements accompagnés a été adoptée par la commission départementale. Cet accord cadre comporte deux dispositifs expérimentaux mis en œuvre depuis 2020. La famille gouvernante, gérée par l'Union départementale de l'Association des familles, UDAF, et le logement autonome accompagné, géré par la Fondation Edith Zelzer. Ces dispositifs prévoient un accompagnement personnalisé apporté à des personnes majeures rencontrant une difficulté de maintien ou d'accès dans le logement en lien avec des troubles psychiques et ou des conduites addictives. Il s'agit ici de contribuer à leur financement pour l'année 2023 au titre de la Convention. Très bien. Des observations sur ce rapport ? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Le rapport est adopté. Toujours Madame Chauvet. Il s'agit donc d'un avenant numéro 1 au PDALHPD pour les familles gouvernantes et les baux glissants, donc 2015-2020. Donc le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, PDALHPD de 2015, a prévu un axe d'intervention d'aide au logement pour les personnes en grande difficulté à accéder et à se maintenir dans leur logement. Pour contribuer au financement de ce projet, le département, l'État, l'ARS et les bailleurs sociaux ont signé une convention multipartenariale après avoir répondu favorablement à un appel à projet lancé par le ministère des Territoires en partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat, USH, et par le biais de la Caisse de garantie du logement locatif social, CG2LS. Ce financement relève du dispositif 10 000 logements accompagnés, une contribution départementale sur une période de 3 ans financée dans le cadre du Fonds de solidarité logement, FSL, a été votée par la délibération du 23 juin 2020 pour 50 625 euros de subvention, 12 000 euros de garantie de travaux de réparation. Ce projet a été mis en œuvre dès 2021 et ce, sous deux formes. Un dispositif famille gouvernante en direction des personnes en situation d'exclusion sociale, notamment en raison d'un état psychique fragilisé et qui éprouve des difficultés à assumer un logement en toute autonomie. Et un dispositif beau glissant en direction des publics en grande difficulté à intégrer le parc social locatif en raison de fragilité sociale qui génère des manquements dans les engagements contractualisés dans un bail qui ont été exposés au risque d'expulsion, de surendettement ou de longue maladie. Ces deux actions sont menées respectivement par l'UDAF, donc Union départementale des associations familiales des Hautes-Alpes, et la Fondation Edith Zelzer. Les subventions prévues ont été versées directement aux opérateurs par les partenaires financiers. Or, il s'avère que la participation de la Caisse de garantie du logement locatif social, CG2LS, est soumise au fait que les paiements auraient dû être versés à l'OPH05 porteur du projet. De ce fait, un avenant est à signer pour l'ensemble des partenaires engageant les opérateurs à reverser les fonds perçus à l'OPH05. Le dispositif expérimental prendra fin en 2023. Un avenant à la convention initiale nécessite d'être à nouveau signé, bien entendu, par les 12 partenaires afin que les dépenses engagées puissent être remboursées par la Caisse de garantie du logement locatif social. Merci. Merci, Carole. Avez-vous des observations sur ce rapport ? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Je vous remercie. On va changer de sujet, s'intéresser aux infrastructures routières, sous la bienveillance de M. Cana. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je n'ai pas voulu alourdir vos propos introductifs tout à l'heure, mais je voulais quand même dire que je soutiens complètement les propos tenus par Arnaud Murgia au sujet de la gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations. Je pense que c'est la solidarité régionale qu'il nous faut. Il ne faut pas que le GEMAPI concerne que et soit payé qu'une partie des Walpeng. Jusqu'à preuve du contraire, l'eau, elle descend dans le sud. Comment va votre crapauduc, M. Canin ? Ah oui, c'est vrai. Je suis innocent à la protection du président. Est-ce que je peux présenter le rapport, M. le Président ? Je vous en prie. Voilà, donc le programme de modernisation, de sécurisation des grands axes économiques constitue pour le département des Hautes-Alpes un enjeu stratégique.
particulièrement fort s'agissant en complément des routes nationales de l'irrigation primaire de notre territoire. Ce programme a été engagé depuis plusieurs années, déjà dans le contrat de plan État-région, le CPER que vous évoquiez, Monsieur le Président. Là, il y en avait un. Autour de l'axe Sisteron-Grenoble par la RD 1075 et aujourd'hui par la RD 1091, entre Grenoble et Briançon, par le col du Lautaret et plus récemment avec la RD 942 qui assure les liaisons entre la 51 à la Solse et en direction de la RN 94 à Montgardin. Concernant plus spécifiquement la RD 1091, et suite à la fermeture du grand tunnel du Chambon au printemps 2015, les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'État ont conjointement réalisé en 2018 et 2019 une étude d'amélioration et de réduction de la vulnérabilité de la RD 1091 de Visil à Briançon. Avant, on ne savait pas ce qui se passait, maintenant, c'est tout écrit. Un plan d'action a été établi pour moderniser l'axe, sécuriser les usagers et améliorer le niveau de service pour un montant estimé de 72 millions d'euros pour le département des Hautes-Alpes. Afin de pouvoir décliner ce plan d'action dans son intégralité et rester dans une enveloppe budgétaire acceptable, il est nécessaire pour le département de rechercher tous les financements possibles. On en revient, Monsieur le Président, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il est donc proposé d'autoriser le président du département à déposer des demandes de subvention auprès de nos partenaires. Il est à noter que le département a déjà obtenu une subvention d'un montant de 4,5 millions pour la réalisation de la première tranche des travaux de reconstruction de la galerie de la Marionnaise, évaluée à 7,5 millions d'euros. À ce jour, trois actions sont majeures pour le département, dont voici un point d'étape. Le marché de conception-réalisation, c'est une première pour nous dans le département, et je remercie l'ensemble des services qui ont travaillé là-dessus, de la galerie La Marionnaise a été attribuée le 7 mars 2023 en commission d'appel d'offres au groupement d'entreprises Raselbeck, Stam, Arcadis, architecture et ouvrages d'art pour un montant de 21,3 millions d'euros pour une mise en service fin 2025. Les tunnels des Ardoisières et du Grand Clos vont connaître cette année une remise à niveau très importante avec Charka ATP et Eiffage de leur équipement de sécurité, et je crois que ce n'est pas un luxe, pour atteindre le niveau de sécurité attendu pour ce type de tunnel de plus de 500 mètres de long. Le programme d'un montant de 2 millions d'euros TTC consiste notamment à l'installation de niches de sécurité, la modernisation du système d'éclairage actuel par un système de LED performant et de l'ensemble des dispositifs de sécurité, les postes d'appel d'urgence, les feux et les caméras. Enfin, un merlon par bloc de 400 mètres de long d'un montant de 1,8 million TTC sera livré par Eiffage à l'automne 2023, à proximité du tunnel du Grand Clos et en prolongement d'un merlon réalisé en 2013. Ce merlon protégera les usagers des fréquentes chutes de blocs dans la combe de Malaval. Je rappellerai que, pas loin de cette combe de Malaval, une petite fille a été tuée dans son landau, dans le siège arrière de la voiture. Donc, on n'a pas le droit de revoir tout ça. Donc, pour tous ces travaux, Monsieur le Président, tout ce qu'on vous souhaite, c'est que vous preniez votre bâton de maréchal et que vous alliez défendre ce projet auprès de la région, de l'État, pour avoir les financements nécessaires. Merci. Bien, je ne suis pas encore maréchal, mais je prendrai au moins mon bâton de président. Je ce que disait Rémi Roux ce matin. Ah. Bien, M. Murgia voulait réagir. Merci, M. le Président. Je précise qu'il y a des maréchaux qui ont été très bien. Hein. De Tassigny, il est extraordinaire. Donc, ce n'est pas dramatique. Bon, je voudrais juste, et tout à fait sérieusement, cela dit, juste réagir à ce que vient de présenter Marcel Cana sur votre décision, M. le Président, parce que je voudrais juste rappeler que c'est la parole tenue. Et que en 2015, ça faisait à peine quelques jours que nous étions élus, le tunnel du Chambon s'effondrait. Cette décision, je m'en souviens, elle a été prise en préfecture en présence de l'ancien président de région, le président Vozel. Peut-être la première fois qu'il venait dans les Hautes-Alpes d'ailleurs. Cela étant dit, avait été décidé à l'époque de répondre au sujet du Chambon en disant, un, on fera une route provisoire, elle a été faite. Deux, on refera le tunnel. Ça a été fait par nos collègues de l'Isère aussi. Et Dieu sait que ça a été long, ces deux années passées pour le canton de la Grave. Mais surtout, on avait dit, on ne s'en tiendra pas là. Et on fera cette étude. Et on aurait pu faire que l'étude. Hein. Le nombre d'études qu'on lance
sur la base de drames et qui ne sont jamais suivis des faits. C'est tous les jours à la télé. Et je voudrais juste signaler le travail qui a été fait sous votre responsabilité, parce que c'était en 2015, on est en 2023. Et à la suite de cette longue étude, c'est des sujets extrêmement complexes, les décisions sont prises. Et plus de 70 millions d'euros qui sont engagés pour sécuriser cet axe de très haute montagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes en France qui sont ouvertes à l'année et qui montent à 2000 mètres d'altitude. Je voulais juste vraiment souligner que, en tout cas dans cet hémicycle et dans cette maison, quand on prend des engagements, on les tient. Et je voudrais vraiment remercier Marcel Cana, qui suit ce dossier depuis des années, avec l'ensemble de ses équipes, parce que c'est un engagement sans précédent pour le Lautaret, la Grave et bien entendu pour le Briançonnais. Et c'est un axe européen, on l'oublie souvent. Mais voilà, je voudrais juste dire aujourd'hui que ce qui a été dit en 2015, à l'époque où, bien entendu, on passait peut-être pour des fous, c'est fait. Voilà, je voulais vraiment le dire. Très bien. D'autres interventions sur ce rapport ? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Je précise juste que Gérard Tenneau a quitté la séance et qu'il a donné son pouvoir à Françoise Pinet. Qui c'est qui n'a pas voté Ginette ? Le rapport est adopté. Je vais redonner la parole à Arnaud Murgiala pour nous parler des grands cols et plus particulièrement peut-être du col Agnel. Merci, Monsieur le Président. Allez, un peu plus de gaieté pour cette séance. À la dernière séance, Monsieur le Président, nous parlions du col du Noyer, dont chacun se souvient de l'altitude. 1664. On voit ceux qui ont des réflexes et qui accessoirement boivent de temps en temps une bonne mousse. Et donc aujourd'hui, on va parler du col Agnel, qui est, comme Madame Garcin et Maud le sait, à une altitude de 2744 mètres. Il y en a qui ont bien révisé. Je précise qu'il n'y a eu aucune concession avant la séance. Et donc le col Agnel, chacun le sait, c'est le deuxième col le plus élevé du pays. Ça fait partie des fiertés aux Alpines. Et vous le savez, dans le cadre de l'opération Grand Col qui avait été initiée en fin de mandature précédente, nous avons d'ores et déjà engagé des travaux sur l'Isoor. Ils sont quasiment terminés. On a hâte de les inaugurer. C'est une très, très belle réalisation. Sur le Lautaret, c'est la phase 2 des travaux qui va pouvoir démarrer dans quelques semaines. Le Noyer a été lancé. On finit désormais toute cette série de travaux sur le col Agnel. Donc il y a une étude fil rouge que chacun connaît, mise en valeur de la biodiversité, gestion des usages et des flux. On sait que souvent dans nos espaces naturels, tout le monde marche un peu partout et nulle part. On a un impact très fort sur la biodiversité. Et puis bien entendu, accueil de l'ensemble des personnes qui viennent sur ces grandes portes d'entrée. Ce sont des endroits merveilleux. On n'est pas du tout jaloux des grands cols en Suisse et de la manière dont ils sont aménagés, mais on se dit qu'on peut faire mieux, et aujourd'hui on le fait. Donc aujourd'hui, c'est tout simplement le lancement de la convention sur le col Agnel. Il nous restera un petit peu de travail, puisque on a encore le Galibier et le Granon qui vont faire partie de la liste de travail des prochaines semaines. Et puis après, vous le savez, l'engagement qui est le nôtre est d'initier et de travailler ensemble au cadre qu'on donnera à l'opération Grand Site. Mais en tout cas, c'est quelque chose, et vous le savez, de très innovant, je le redis à chaque fois. Le fait que le département et la maîtrise d'ouvrage déléguée et incarnent les territoires, investissent aux côtés des communes et pour le compte des communes dans les territoires, c'est une bonne chose. J'en profite pour faire une petite remarque très personnelle, mais je voudrais la dire à l'ensemble des maires qui sont concernés par ce type d'opération. Bon, on a fait des travaux magnifiques, Monsieur le Président, à l'Isoar. On a engagé quelques millions d'euros. Et nous avons eu des discussions entre nos services et les services des communes en nous disant « Mais mon Dieu, il reste un problème incroyable à gérer. Qui va payer l'exploitation du nettoyage des toilettes ?» Et je me suis aperçu qu'on a eu le même débat au col Agnel, qu'on a eu le même débat au col du Noyer, qu'on a le même débat au col du Lautaret. Donc je voudrais rassurer les maires. Quand le département investit plus de 30 millions d'euros sur un col, c'est bien, il faut s'en féliciter. Et qui va nettoyer les toilettes? Rassurez-vous, mesdames et messieurs, nous trouverons des solutions. Voilà. Je voudrais juste le dire, parce que parfois on se rend compte que des problèmes qui sont certes importants, parce que je ne sous-estime pas les charges de fonctionnement des communes, mais qui sont parfois futiles par rapport à la masse de l'investissement financier que le département veut bien mettre et que les communes n'auraient pas les moyens de mettre, ça permet de remettre
l'église au milieu du village et le col à la bonne altitude. Allons-y pour le col Agnel. Je tiens à vous rassurer, monsieur Murgia, la commune de Molinanquera entretient déjà depuis plusieurs années les toilettes sèches qui sont en haut du col Agnel. Bon, plus sérieusement, maîtrise d'ouvrage déléguée, définition d'une programmation et travaux le plus rapidement au col Agnel qu'on a hâte de voir déneiger et sur lequel on se rendra avec grand plaisir avec madame le maire. Merci. Et qu'on suive l'exemple de la commune de Molines. Exactement. Et de son maire. Ah, merci. Bien. Y a-t-il d'autres observations sur ce rapport ? Il n'y en a pas, je me revois. Le rapport est adopté. Je vais passer la parole à Patrick Ricoum. Merci, Monsieur le Président. Donc, le rapport qui vous est proposé, chers collègues, concerne les contrats de station. Nous avions voté au mois de juin 2022 le cadre d'intervention de la politique départementale à destination des stations. Aujourd'hui, à travers ce rapport, il vous est proposé d'élargir le champ des dépenses éligibles à ces financements en y intégrant les grandes inspections réglementaires, qui sont parfois des charges extrêmement lourdes et obligatoires pour les plus petites, et notamment pour les plus petites des stations, proportionnellement à leur chiffre d'affaires. Intégrer dans ces dépenses subventionnables les grandes inspections, ainsi que les études préalables à des travaux d'investissement qui sont souvent très conséquentes, notamment lorsqu'on est sur des travaux de piste ou des travaux d'aménagement de remontée mécanique, où on a des études environnementales qui sont extrêmement chères, et donc intégrer d'ores et déjà la possibilité de financer ces études préalables dans le cadre de ces contrats de station. Très bien, merci Patrick. Y a-t-il des observations ? Monsieur Murgia. Pardonnez-moi, après, promis, j'arrête de prendre la parole, mais comme dit la Maxime, c'est peu de choses pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ce type de petite délibération permettra au syndicat mixte des stations villages de la Haute-Robance de ne pas connaître un fort déficit l'année prochaine, parce que la grande visite du télésiège se profile. Et on ne savait pas comment on pouvait joindre les deux bouts avec la hausse du coût de l'électricité, la hausse du GNR, et en même temps la grande visite. Sans ça, ni plus ni moins, on aurait fait une saison extrêmement déficitaire. Ça s'appelle la solidarité départementale. Merci. Il n'y a pas d'autres observations. Je mets ce rapport en voie. Le rapport est adopté. Je passe la parole à Marine Michel. Merci, Président, chers collègues. Je m'associe bien évidemment aux propos qui ont été tenus depuis le début de cette séance. Et notamment au propos de notre collègue Gaël Moreau concernant les sportifs qui ont brillé ces derniers temps. Et j'ai une pensée toute particulière, des fois on les oublie, pour l'équipe, les encadrants, les parents, les bénévoles qui sont là aussi lors de ces événements et lors de ces compétitions et qui sont un socle très important pour ces sportifs de haut niveau. Et je pense que sans eux, ils ne seraient pas aussi bons qu'ils sont actuellement. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir une pensée pour eux. On en parlera régulièrement dans les mois à venir avec ces Jeux Olympiques qui se profilent très, très rapidement. Concernant la délibération, Monsieur le Président, du jour, c'est une délibération concernant la refonte du plan départemental des espaces cités itinéraires. Comme vous le savez, nous avons commencé ce travail qui est un travail très fastidieux, très long. Et j'en profite pour remercier et pour avoir un clin d'œil pour les services qui travaillent sur cette refonte, parce que je peux vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas évident de rencontrer tous les acteurs du sport, tous les acteurs des activités sportives du territoire et de pouvoir créer, on va dire, un outil qui soit intéressant pour toutes ces filières et pour toutes ces activités. Donc le plan départemental est en train d'être retravaillé. Étant donné que le plan départemental est en train d'être retravaillé, nous retravaillons aussi la commission départementale des espaces sites et itinéraires. Et il est important de renouveler le règlement intérieur, donc bien évidemment de valider le principe de représentativité
de cette structure. Donc, nous avons les pratiquants, les activités de pleine nature et les espaces sites et itinéraires. Pour plus de souplesse, il appartiendra à ces structures de nommer des personnes qui seront référentes à cette commission. Donc, selon le code du sport, la commission départementale des espaces sites et itinéraires doit être consultée pour avis, mais c'est le président du département qui a la dernière décision et qui valide les décisions qui sont prises. Il est proposé aussi la mise en place d'avis dématérialisés pour plus que ce soit un peu plus pratique pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on est en train de travailler sur ce plan départemental des espaces sites et itinéraires avec des rencontres régulières sur les différents territoires et notamment du sud au nord avec des besoins différents mais très intéressants selon chaque territoire. Donc voilà, je vous tiendrai informé bien évidemment de l'avancée de ces réflexions et je vous remercie de votre écoute. Merci Marine. Des observations sur ce rapport? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Bien. Bien, le rapport suivant concerne le projet d'Alpe-Bois-Collage. Donc, c'est la convention de maîtrise d'ouvrage unique. Je vous rappelle que le projet d'Alpe-Bois-Collage est un projet industriel dans le domaine de bois, dans le cadre de la filière bois, qui doit s'implanter sur la zone artisanale de la communauté de communes de Buech-d'Évoluy. Ce projet, je vous le rappelle, a déjà fait l'objet de délibérations dans cette assemblée. Mais donc je rappelle qu'il est constitué par la mise en place d'un atelier de transformation du bois industriel, qui est composé de trois volets. Le volet d'aménagement d'une plateforme de quelques hectares sur la zone artisanale du Moutari, à la charge de la communauté de communes. Un projet au travers d'un crédit bail qui a été voté par notre assemblée pour la construction du bâtiment de cette industrie. Et puis la mise en place pour un montant de 4 millions d'euros, je vous le rappelle quand même, la participation à la construction de ce bâtiment. Et puis l'équipement intérieur en termes de machines-outils par la société, pour un montant de 3 400 000 euros. Donc un projet qui avoisine les 10 millions d'euros d'investissement qui va démarrer probablement à la fin de l'année 2023 sur ce territoire. Alors la convention qui vous est proposée aujourd'hui, c'est pour réaliser, que le département puisse réaliser pour le compte de la communauté de communes et pour faciliter l'intégration des travaux entre la construction, l'aménagement de la plateforme et la construction du bâtiment, pour qu'il y ait un seul interlocuteur qui sera le département. Donc le département interviendra pour réaliser l'aménagement de la plateforme en lieu et place, enfin pour le compte, pardon, pas en lieu et place, pour le compte de la communauté de communes Buech-d'Évoluy. C'est l'objet de la convention qui vous est proposée aujourd'hui. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Tout le monde a voté. Allez, le rapport est adopté. Je vous en remercie. Je vais passer la parole à Lionel Parra pour nous parler du service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Merci, Président. Le département des Hautes-Alpes, en se positionnant comme porteur associé, s'est engagé à développer le programme SAR, Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, afin d'offrir partout sur son territoire à chaque usager un parcours simplifié et fluide d'informations, de conseils et d'accompagnement pour la rénovation de son logement. Lors du comité de pilotage national du programme SAR du 23 novembre 2021, des modifications importantes ont été apportées au programme, notamment en matière de financement, d'objectifs et de communication. En effet, au 1er janvier 2022, le programme a connu une augmentation de la rémunération des actes métiers, la mise en place de nouvelles primes financées par les certificats d'économie d'énergie, CEE, et un rapprochement des réseaux FER et de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, avec la mise en place de la marque nationale France Rénov'.
Ces évolutions nécessitent de modifier par avenant la convention régionale de mise en œuvre du programme signée le 7 juillet 2021 par l'ensemble des financeurs qui sont notamment l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les obligés et les différents porteurs associés du territoire régional. Il est proposé par le président de valider l'avenant numéro 1 à la convention régionale de mise en œuvre du programme SAR en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'autoriser le président à le signer par voie électronique. Très bien. Des observations sur ce rapport? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Le rapport est adopté. Le rapport suivant. Concerne l'appel à projet pour des opérations de façade et toiture, dont on a évoqué en début de réunion. Donc, ce rapport important pour l'aménagement de notre territoire, pour mieux accompagner encore les collectivités qui s'investissent pour l'attractivité de notre territoire et la rénovation énergétique. Elles sont une quarantaine, les communes, qui, très précisément, a proposé des opérations de renouvellement des façades et des toitures à leurs administrés. Comme tout le monde se plaît à le redire, ce sont de belles initiatives initiatives que nous avions évoquées il y a quelques mois avec Valérie Rossi et Joël Bonafou, qui vont permettre à la fois aujourd'hui d'embellir les villages et centres-bourgs et donc de les rendre toujours plus attractifs, d'inciter aussi à la rénovation thermique en procédant à l'isolation des combles et toitures et parfois à l'isolation par l'extérieur. On voit bien qu'avec ces deux seuls éléments, les liens de convergence avec les politiques départementales que nous développons dans le domaine de la sobriété énergétique et pour l'attractivité du territoire. Il semble donc logique que le département accompagne ces collectivités dans leurs efforts, et c'est ce que vous avez proposé aujourd'hui. Avec ce nouveau programme ou projet, le département cofinancera les aides communales à la rénovation des façades et des toitures, et il apportera, si besoin, l'expertise technique d'IT05, afin de faire en sorte que nos villages, bourgs et petites villes soient toujours plus accueillants et habités, afin que le bâti ancien soit entretenu et préservé, afin de favoriser la réhabilitation énergétique, c'est un vrai sujet aujourd'hui, afin de soutenir également l'activité des entreprises, puisque 2 euros de subvention, en général, ça génère entre 7 et 13 euros pour les artisans qui font les travaux. En pratique, la participation du département sera au maximum de 50% du montant de la subvention attribuée par la commune, qui sera donc attribuée au propriétaire pour réaliser les travaux, avec un plafond de 2500 euros par bâtiment. Donc, ça s'adresse aux communes de moins de 10 000 habitants. Et je sais que tous les conseillers départementaux vont se faire le relais auprès des communes pour leur dire que c'est le moment de profiter de cette aide. Donc, un budget de 200 000 euros sera inscrit au budget supplémentaire au mois de juin pour démarrer cette opération. Et puis, voilà. Donc, on se fie à l'instruction, aux décisions qui seront prises par les communes dans ce domaine-là. Et nous venons apporter une contribution de 50% de ce que sera attribué par les communes. Voilà pour ce nouveau rapport sur l'intervention dans le domaine des façades et toitures. Y a-t-il des observations? Très bien. Bien, nous mettons ce rapport aux voix. Merci, le rapport est adopté. Je vais passer la parole à M. Viossa. Je crois que c'est plutôt à Christian Hugo. Ah, pardon. Merci, Président. Pardon. Non, mais c'est pareil. C'est pareil. Le,
Le présent rapport propose l'adhésion du département à l'association des communes forestières, les COFOR, qui apporte une aide de l'expertise, des formations et des retours d'expérience aux services départementaux et aux collectivités locales. Une convention cadre de ce partenariat du Conseil départemental des Hautes-Alpes a été signée le 21 octobre 2022 avec l'association des COFOR concernant la mise en œuvre des moyens techniques humains au service des élus du territoire. Cette adhésion est prise pour la durée du mandat. Voilà, Président. Très bien. J'imagine qu'il n'y a pas d'observation à ce rapport. Je le mets aux voix. Le rapport est adopté. Toujours dans le domaine de l'énergie, le rapport sur la crise énergétique. La hausse du coût de l'énergie impacte fortement l'activité des entreprises. Sur le territoire des Hautes-Alpes, c'est bien sûr le tissu économique des PME, PMI, les commerces, les artisans qui sont impactés, mais également les stations de ski et les agriculteurs. Avec des factures d'énergie électrique parfois multipliées par 6, voire 7 en moins d'un an, la situation est plus que préoccupante. Ces charges importantes vont amplifier les conséquences de la crise sanitaire, encore toute récente, et de la climato-dépendance, et mettre à mal les capacités de ces structures à l'équilibre précaire. Les efforts en termes d'argent public investis par notre département pour l'accompagnement à l'évolution des stations de ski ou encore de l'agriculture avec l'opération des vergers alpins ne peuvent être réduits à néant pour des raisons spéculatives de fournisseurs d'énergie, parfois historiques, comme EDF. C'est pourquoi il convient de demander à ces fournisseurs de se mettre à la table des négociations pour proposer à leurs clients des tarifs revus à la baisse dans une période de relative détente de ces marchés. Dans le cas contraire, le département se réserve le droit de faire pression sur ses fournisseurs, y compris, comme je vous le disais en introduction, au travers de nos compétences réglementaires. Je veux parler des permissions de voirie. Y a-t-il des commentaires ? Il n'y en a pas. Je mets le rapport. Pardon. Monsieur Parra, vous vouliez prendre la parole. Je tenais à faire remonter quand même une information. Vous savez qu'en courant novembre-décembre, notre président nous disait qu'il fallait faire des économies d'énergie de partout. Partout, c'était possible parce qu'on risquait un blackout. En tant qu'industriel, je l'ai réalisé et j'ai préparé, j'ai arrêté certaines lignes de production pour faire de l'entretien classique et concentrer mon entretien avec un fort carénage. Et je tiens à signaler qu'à l'heure actuelle, rien ne va plus dans l'énergie. Quelle était ma surprise en recevant mes factures en mars et une facture récapitulative sur décembre, janvier, février, où on a une nouvelle, je dirais une nouvelle taxe qui s'appelle le soutirage. C'est-à-dire que pour ne pas avoir consommé, on nous facture le fait de ne pas avoir consommé parce qu'on a un abonnement sur le réseau. Donc, si on consomme, ben c'est bien. Mais si on ne consomme pas, on est quand même facturé. Donc, ce qui est toujours assez sympathique. Voilà. Allez, un autre témoignage de la part de Patrick Ricou. Oui, juste un mot concernant particulièrement les stations de ski. Mais vous l'avez dit fort justement, les stations de ski ne sont pas les seules concernées par cette hausse du coût de l'énergie. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, lorsqu'on est gestionnaire de station, que de signer un contrat. Et quoi que nous en aient dit certains, le président de la République notamment, en nous disant « ne signez pas de contrat », aujourd'hui, on est tenu d'avoir un contrat de fourniture d'énergie. Et je peux dire qu'en tant que président de la régie des stations villages du Champsaur, Trois-Glisses, lorsqu'on signe un contrat de fourniture d'énergie, on a un peu le sentiment qu'on joue au poker. Sauf qu'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on est perdant à tous les coups. Mais qu'on est perdant un petit peu ou perdant beaucoup. Et lorsqu'on a signé un contrat pour 2 ans, comme c'est le cas de notre station, de nos stations villages du Champsaur, à l'automne dernier, et qu'on s'aperçoit qu'on a signé un coût de l'énergie qui était 4 fois supérieur à celui que nous payons jusqu'à il y a 2 ans en arrière, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une détente, elle est peut-être que ponctuelle, mais elle est certaine, sur les fournitures d'énergie, mais on s'aperçoit qu'on a eu tort de signer pour 2 ans. Mais est-ce que l'on peut être devin ? Est-ce que l'on peut, aujourd'hui,
dire on signe pour un an, on signe pour deux ans, on signe pour trois ans. Et je crois que sur un bien commun comme l'énergie, je crois qu'il doit y avoir quand même une certaine unité, une équité de traitement entre tous les acteurs de l'économie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que bon nombre de nos entreprises vont être en sérieuse difficulté. La régie Champs-Sort-Trois-Glis que je préside avait un budget énergie de 170 000 euros. Nous sommes en train de préparer le budget 2023. On a inscrit 550 000 euros de dépenses d'énergie. Quand vous faites 2 millions de chiffres d'affaires, ben, je défie quiconque de sortir un budget à l'équilibre. Hein. Et vous avez eu beau faire toutes les économies possibles, réduire vos heures de fonctionnement, ralentir les télésièges, réduire vos amplitudes horaires. On n'y arrive plus. Et si ces stations-là, si on va trop loin, si on les met trop en difficulté, on va atteindre un point de non-retour. Et ce sujet de l'énergie qui vient se cumuler avec l'inflation, hein, je vous décris pas, hein, l'inflation sur les pièces détachées, l'inflation sur le carburant, l'inflation sur les grandes visites. Aujourd'hui, une grande visite que nous avions budgétée et provisionnée il y a 4 ans en arrière à 150 000 euros. Aujourd'hui, les marchés sont signés à 350 000 euros. Donc là, on est en train de mettre en péril toute une économie. Et il est urgent que des dispositions... on ne demande pas de l'aide, on ne demande pas de la subvention, on ne demande pas de l'assistanat. Juste, c'est d'avoir des conditions économiques d'exercice normal de notre activité. Et pour ce qui concerne l'énergie, on est vraiment dans quelque chose qui est incompréhensible. Et il faut vraiment que les fournisseurs d'énergie acceptent, pour les contrats qui ont été signés de manière pour une durée pluriannuelle, de renégocier et de faire bénéficier, entre guillemets, les abonnés de conditions de marché qui sont un tout petit peu plus favorables aujourd'hui qu'elles n'étaient il y a 4 mois en arrière. Marcel Canin. Oui, mes propos ne vont pas vous faire plaisir, Monsieur le Président, mais je lui dis quand même. C'est vrai que vous mettez la pression sur les fournisseurs, et c'est très bien par rapport à tout ce qui vient de dire du côté des entreprises, du côté des stations. Tout le monde a vraiment de la peine à accepter cette augmentation. Par contre, vous ne signez plus les permissions de voirie. Non. Je sais, c'est là le problème. Voilà, donc ces permissions de voirie qui bloquent certains travaux dans le sud du département, je pense qu'il faut vraiment faire remonter Monsieur le Préfet pour qu'il prenne ce dossier en main aussi, pour dire qu'on puisse débloquer ces travaux qui sont prévus, notamment d'extension de réseau. Là, ça touche les entreprises. Donc, il faut ce sujet vraiment relativement important du coût de l'énergie, mais aussi par l'handicap que ça pose par rapport aux entreprises qui réalisent les travaux. Moi, j'insiste que M. le Préfet doit vraiment se saisir de cette affaire-là, justement pour aller dans le sens des entreprises et des fournisseurs, et qu'on puisse débloquer et qu'on puisse signer les permissions de voirie. Non, mais cette affaire, M. Canin, cette affaire, elle a été très, très bien présentée par Patrick Ricoux, qui montre qu'aujourd'hui, à cause de simplement un marché de l'énergie, on met des structures, dont on a besoin tous les jours, on les met à mal, on va les mettre au tribunal en redressement judiciaire. Je veux dire, c'est ça qu'il faut bien voir. Donc aujourd'hui, on demande, nous, à ce que EDF, puisqu'on parle d'EDF, EDF accepte non pas de faire des remises, mais accepte de pratiquer des prix avec ses clients, ses clients depuis toujours, qui sont conformes au marché actuel. Je veux dire, tous ces exploitants qui ont signé des contrats sous la menace, je dis bien sous la menace l'année dernière, pendant à la fin de l'été, bon, eh bien, c'est inacceptable. Donc après, on fait avec les moyens qu'on a. On se bat avec les moyens qu'on a, M. Canin. Moi, aujourd'hui, la seule façon de faire pression un peu sur tout le monde, de faire parler, émerger ce problème, mais c'est de dire maintenant, mes routes, on n'y touche plus pour passer des réseaux électriques. Voilà. Donc les permissions de voirie, ça n'existe plus. Vous allez faire ce que vous voulez, sauf que ça, j'espère que ça ne va pas durer longtemps et que les fournisseurs d'énergie vont... On va les retrouver. Et je sais que le préfet Dufour est en train de travailler. Enfin, il ne travaille pas depuis aujourd'hui. Il travaille depuis qu'on lui a signalé ce problème, c'est-à-dire depuis le début de l'hiver. Il en a même fait écho au président de la République jeudi dernier. Et j'espère que tout ça va se traduire par une remise à plat de cette problématique pour que demain, on arrive à continuer à vivre comme on doit le faire. Donc je disais que j'ai raté sûrement le train, mais bon, on va nous supprimer une grosse partie de nos gares dans le sud du département. Ça, c'est un autre sujet.
mais on n'est pas du tout au courant, je ne sais pas à quoi vous faites allusion sur ce dossier-là, si vous pouvez nous donner quelques informations. Sur le quel dossier? Sur le... Ouais, ouais. Oui, non, mais simplement, il y a, dans le cadre de la mise en service d'un futur parc photovoltaïque du côté de Sorbier, l'opérateur Enedis doit, pour le compte d'un tiers, Engie, doit raccorder ce réseau par l'intermédiaire d'un câble souterrain qu'ils veulent mettre dans une route départementale sur une vingtaine de kilomètres. Voilà. Bon, donc on était sur les modalités pratiques, techniques. Nous étions d'accord sur les travaux à réaliser, sauf que depuis, il est venu se gréver ce problème de tarifs de l'énergie, notamment tarifs pratiqués par EDF. Bon, donc c'est un peu de la rétorsion que je fais ou de la rétention d'autorisation que j'espère de courte durée. Bien, allez, je mets ce rapport aux voix. Il est adopté à l'unanimité. J'espère que ceux qui en sont un peu destinataires se rendront compte de la situation dans laquelle nous sommes. Bien, maintenant, on va changer de sujet. Je vais donner la parole à Bernadette Saudemont. Oui, merci, Président. Alors, ce rapport concerne l'opération Première Page 2023, qui est conduite d'ailleurs depuis 9 ans déjà par Blaise Mijoul, que je remercie. Alors, nous savons tous qu'il est indispensable d'offrir à nos enfants, et tout particulièrement aux plus petits, la possibilité de grandir dans une culture du sensible, de l'esthétique, des mots, afin qu'ils puissent développer le respect d'autrui et l'empathie. Et le livre et la lecture doivent tenir, au sein de cette culture du sensible, une place essentielle. En effet, la lecture partagée d'albums est pour l'enfant un terrain d'exploration infini, fait de pensées, de paroles, d'images, de rêveries, d'imaginaires et de jeux, et il permet au tout petit d'élaborer intimement sa pensée et de développer son langage. Pour encourager cette sensibilisation des familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre, à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge, l'État a mis en place un dispositif Première Page. Depuis 2015, la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes, en partenariat avec les Maisons des Solidarités, s'inscrit dans ce dispositif en proposant tout un programme d'action au bénéfice de tout le territoire haut-alpin, par exemple des dépôts d'albums tout petits dans les salles d'attente de protection maternelle et infantile, la diffusion de spectacles petite enfance dans les bibliothèques, etc. En 2023, la Bibliothèque départementale travaillera notamment à la reprise des séances de lecture en salle d'attente de protection maternelle et infantile. Et là, il vous est demandé d'approuver le nouveau programme Première Page, ainsi que la demande de subvention auprès du ministère de la Culture, qui accompagne ce mouvement et dont la subvention se montrait à 50% du budget que le département compte consacrer à ce programme, 23 000 euros. Très bien. Des observations par rapport à ce rapport? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Le rapport est adopté. Je vais passer la parole à Marie-Yvonne Grenier pour vous présenter quelques rapports qui concernent l'éducation. Oui, merci, Président. Donc, ce rapport concerne la modification des critères de séjour avec hébergement dans les structures des Hautes-Alpes. Donc, depuis 2021, le département souhaite donner un coup de pouce aux hébergements collectifs des Hautes-Alpes qui accueillent les centres de vacances et classes de découverte. Pour ce faire, il encourage les écoles des Hautes-Alpes à organiser des séjours avec hébergement sur le territoire. Le département s'était engagé à participer financièrement au coût de l'hébergement en pension complète à hauteur de 90 euros par élève, à condition que la commune de rattachement de l'école prenne à sa charge au moins 40 euros par élève. En outre, le département rembourse le transport aller-retour au départ de la commune jusqu'au lieu de séjour. Face à l'inflation, il est proposé d'augmenter de 10 euros la prise en charge de l'hébergement, soit 100 euros. Voilà. Très bien. J'imagine qu'il n'y a pas d'observation sur ce rapport. Je le mets aux voix. Oui. Oui. Le rapport est adopté. Madame Grenier, pour les collèges, centres et fonds Rennes.
Voilà, il s'agit de la modification des secteurs de recrutement des collèges centres et foraines, comme vous l'avez dit, Président. Donc, les effectifs du collège centre sont en nette diminution depuis quelques années, et cela génère de l'inquiétude au niveau de l'équipe de direction qui a alerté le département en lui demandant de proposer des solutions de carte scolaire afin de pallier à ce problème. L'équipe de direction du collège de Fontrennes a également alerté le département sur la hausse importante de ses effectifs, ce qui entraîne des difficultés de gestion des élèves. Ces phénomènes s'expliquent par une évolution urbaine de la ville de Gap qui génère des développements hétérogènes selon les quartiers. Pour y répondre, il est imaginé dans un premier temps et dès la prochaine rentrée scolaire de rééquilibrer en partie les effectifs des deux établissements en modifiant les secteurs de recrutement des deux collèges afin de freiner l'expansion des effectifs de Fontrennes et d'alimenter ceux du centre. Pour cela, le département propose, en accord avec la mairie de Gap qui gère la carte scolaire des écoles, d'ajouter au secteur de recrutement du collège centre l'école de Charence, dont les élèves devront aller au collège dans cet établissement, alors qu'ils étaient jusqu'à présent affectés au collège de Fontrennes. Et les élèves de l'école des Essanières auront, eux, le choix d'aller soit au collège centre, soit au collège de Fontrennes, alors qu'ils étaient jusqu'à maintenant affectés à ce dernier. Cette mesure concernera, dès la rentrée 2023-2024, une vingtaine d'élèves. Il s'agit d'un premier pas dans le cadre de la refonte de la carte scolaire de Gap, afin d'accompagner le rééquilibrage scolaire des collèges Fontrennes, Mauzan et Centre qui sera nécessaire après la livraison de la restructuration bâtimentaire de ce dernier. Donc, le Conseil départemental de l'éducation nationale, qui a été saisi à ce sujet, a émis un avis favorable à cette modification. Très bien. Il n'y a plus qu'à le faire. S'il n'y a pas d'observation sur ce rapport, je le mets aux voix. Merci. Toujours Madame Grenier. Alors, pour la mise à disposition de la plateforme Polyaéro à l'incubateur GAP3AP, parce que GAP, ça fait un peu long. Voilà. GAP. 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 Ça dévocalise. Voilà, c'est ça. La communauté d'agglomération GAP-Talard-Durance et la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes ont créé ensemble, en 2018, un outil de développement et d'accompagnement des jeunes entreprises, de jeunes entreprises innovantes consistant en un incubateur d'entreprise et un espace de coworking. Cet incubateur, appelé GAP, a pour projet de développement de s'installer sur la commune de Talard et de profiter de la proximité de la plateforme de formation Polyaéro pour donner une dimension aéronautique, mais sans exclusivité, en permettant aux futurs incubés d'utiliser les moyens techniques proposés dans le bâtiment dont le département est propriétaire. Pour cela, il est proposé une convention quadripartite entre la communauté d'agglomération GAP-Talard-Durance, la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, Polyaéro et le département pour formaliser ce partenariat. Très bien. J'imagine. Oui, Cathy Asson. Merci, Président. Je voudrais juste rebondir sur l'incubateur et puis d'être le porte-parole du président de la CCI, Frédéric Cavallino, et du président de l'Aglo sur cette convention avec la plateforme Polyaéro, notamment avec l'incubateur. Juste pour faire un petit focus sur cet incubateur, c'est 40 entreprises qui ont été accompagnées avec différents partenaires, et notamment l'Agence de développement des Hautes-Alpes. C'est 180 Worker aussi, et c'est 1,7 million d'euros levés pour ces entreprises. Donc le fait que ce deuxième site puisse ouvrir sur notamment la filière aéronautique avec l'appui et l'expertise de Polyaéro, il y a 12 places qui vont s'ouvrir et qui ont déjà été prises par trois jeunes qui sortent de Polyaéro en impression 3D, en conseil ingénierie et en création d'un simulateur de vol. Donc pour rebondir sur ce que disait aussi Rémi Roux pour capter nos jeunes de façon à ce qu'ils ne partent pas ni dans les Bouches-du-Rhône, ni à Lyon, ni à Paris. Voilà, ce sont des outils qui fonctionnent, qui permettent de développer. Et la moyenne d'âge des jeunes, c'est un peu moins de 30 ans. Donc on peut se féliciter que tous les partenaires interagissent pour qu'on réussisse. Merci.
Merci, Cathy, président. Jean-Baptiste. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, Cathy Assoladi et notre collègue Marie-Vonne Grenier également, c'est une excellente chose que cette convention quadripartite puisse être mise en place actuellement, puisque ça permettra à des jeunes de notre territoire, mais pas seulement, d'avoir la possibilité de se former sur le territoire. Et c'est tout le tissu économique, cher Patrick Ricou, président de la DET, qui s'en trouvera conforté. Le tissu économique, certes, mais bien entendu, toute la formation et la filière polyaéro qui sera mise en avant également, puisque c'est une pépite de notre territoire, ne l'oublions pas. Donc c'est une très heureuse initiative que cette convention soit proposée. Merci. Très bien. Eh bien, nous allons la mettre aux voix. Il est adopté. Et Madame Grenier, pour revenir à la Haute École du Bois. C'est ça. Il s'agit donc du partenariat avec la Haute École du Bois et de la Forêt. Et c'est une convention, une attribution de subvention. Donc, le département s'est engagé auprès des différents partenaires pour soutenir et participer à l'émergence du projet du campus européen. C'est une école d'ingénieurs des métiers du bois, de la forêt, de l'architecture, à l'Argentière-l'ABC et en Brun. Nous en avons d'ailleurs parlé très largement tout à l'heure. Ce campus d'innovation dédié à l'accueil d'activités d'enseignement et de recherche, il y aurait 514 étudiants, 20 enseignants-chercheurs, 26 personnels techniques et administratifs sur le pays des Écrins et Serre-Ponçon, permettra à la Haute École du Bois et de la Forêt de regrouper sur environ 18 000 m² de surface de plancher l'ensemble des fonctions support nécessaires au bon développement du projet, et son ouverture est prévue en septembre 2026. Ce projet est porté par l'Association d'intérêt général Haute École du Bois et de la Forêt, qui sollicite le département afin que celui-ci l'accompagne dans sa mise en œuvre opérationnelle. Et pour ce faire, une convention de partenariat entre le département et cette association est proposée afin de définir l'aide technique, juridique et financière que le département se propose de lui apporter. La subvention annuelle 2023 s'élève à 45 000 euros. C'est effectivement une école, enfin, une école d'ingénieurs, il y aura aussi des techniciens d'ailleurs, hein, qui a une forte importance et qui va pouvoir non seulement accueillir les élèves de notre département, mais des élèves de la France entière. Il n'y a que quelques écoles de ce type en France, donc il est important qu'on puisse l'avoir sur notre territoire. Merci, Madame Grenier. Des observations sur cette participation? Il n'y en a pas, je mets le rapport aux voix. 514. Pardon ? Le rapport est adopté. Je redonne quand même la parole à Gaël Moreau. Non, je voulais vous remercier tous pour ce projet, puisqu'effectivement, ce n'est pas dans les compétences régaliennes du département. Mais c'est une grande importance pour le canton et pour le département. Et ça permettra aussi de redynamiser, je pense, notre canton et le cœur de ville, petite ville de demain, de l'Argentière-l'ABC aussi. Merci. Très bien. Allez, je vais passer la parole à Patrick Ricou pour nous parler un peu de cotisation 2023. Oui, rapidement, il s'agit à travers ce rapport d'entériner le montant des cotisations versées par le département à divers organismes qui œuvrent dans le domaine de la formation, qui sont représentants de nos collectivités, des intérêts départementaux et qui permettent également de faciliter la collaboration et le partage d'expériences sur divers secteurs professionnels de notre collectivité. Alors, ces associations ou structures sont les suivantes. D'abord, l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM, l'Assemblée des départements de France, l'Association Finance, Gestion et Évaluation des collectivités territoriales, la FIGES, l'Institut de formation des élus territoriaux, l'IFET, l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel, la VICA, l'Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, l'Association Cotter Club et l'Agence Rising Sud, cette agence étant l'Agence de développement économique de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le montant de ces participations, s'élève à 45
805,26 €. Très bien. Des observations par rapport à ce rapport ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Le rapport est adopté. Toujours Patrick Rico pour nous. Des garanties d'emprunt pour l'OPH. Attends. Ah, pardon. Pardon, oui, je vais sortir et pas prendre de vote sur cette délibération. Merci. Je vous en prie, à tout à l'heure. Bien. Donc, ce rapport vous propose d'accorder la garantie du département à hauteur de 100% pour un emprunt de 6 089 100 € contracté par l'OPH 05. C'est un emprunt cadre pour participer à la rénovation et la réhabilitation du parc social public. Avec ce financement, ce sont pas moins de 3376 logements situés sur plusieurs communes de notre département qui feront l'objet de travaux de réhabilitation. Donc les caractéristiques de la ligne de cet emprunt sont les suivantes. C'est un emprunt pré-avance mutation d'un montant de 6 089 100 €, je l'ai mentionné, donc, et au taux du livret A plus 0,6% sur une durée de 25 ans. Donc voilà, cet emprunt est contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Très bien. Y a-t-il des observations ? Je n'en vois aucune. Je le mets rapport aux voix. Le rapport est adopté. Madame Valérie Garcin-Méou, pour nous parler des ressources humaines. Oui, merci, Président. C'est un traditionnel rapport RH qui nous montre que la collectivité évolue, qu'elle s'adapte aux projets et aux politiques que nous menons et surtout aux besoins des Hauts-Alpins. Donc, le rapport d'aujourd'hui concerne trois postes. Un poste de conseiller info-énergie, un poste de chargé de mission patrimoine écrit et un poste d'assistant social éducatif. Très bien. Court mais précis. Je mets ce rapport aux voix. Allez, c'est absenté. Très bien, voilà. Le rapport est adopté. Et enfin, pour terminer, je vais donner la parole à Marc Viossa pour nous parler de transformation numérique et sobriété énergétique surtout. Sobriété énergétique, effectivement. Devant l'ampleur de la crise énergétique qui se traduit par la flambée des factures liées aux dépenses d'énergie impactant les ménages, les entreprises, les associations et les collectivités territoriales, le département a décidé en guise d'exemplarité et de responsabilité de proposer un plan de sobriété énergétique. Ce dernier concerne et mobilise l'ensemble des services afin de poursuivre et d'accélérer la réduction de la consommation énergétique du département. Il est constitué de 4 objectifs. Le premier, c'est de participer à l'effort national dans le but d'éviter ou de limiter les ruptures d'approvisionnement d'énergie. 2, de limiter la hausse des dépenses. 3, réponse aux enjeux de transition énergétique. Et 4, baisser durablement la consommation d'énergie de la collectivité. Très bien, voilà qui est fortement résumé, mais c'est un engagement fort de la collectivité. Des observations sur ce dernier rapport ? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Vous avez voté pour moi ? Je vais chercher une pastille. Je voulais faire des économies. Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec l'ordre du jour de cette réunion plénière. Je vous remercie de votre participation et je vous propose de lever la séance et je vous informe que dans 10 minutes, il y aura réunion de la commission permanente. Merci à vous tous.